j'espère que vous m'entendez. La personne, tu peux me confirmer que tu m'entends bien. Ce serait top, top. Comme ça, je peux commencer le live. Donc, voici une vidéo dans laquelle je vous propose... Donc, je suis en cuisine. Je vous propose de vous montrer très simplement, très rapidement, ma recette du chili con carne. Donc, comme ma vidéo sur ma recette... très rapide, encore une fois une préparation très rapide parce que pour celles et ceux qui tombent sur ma vidéo pour la première fois, sachez que je suis une maman solo avec deux enfants et donc je suis une hyper rapide mais très savoureuse et qui coûte pas cher donc voilà, et variée en général. Donc l'autre fois, la première fois c'était non, pas ce soir à 21h mon live, je suis désolée, ce sera pour la prochaine fois. Vraiment, je suis épuisée aujourd'hui. J'ai été faire une prise de sang chez le médecin parce que vous savez que la semaine passée, voilà, j'ai eu des soucis au niveau du ventre. Puis après, voilà, j'ai recommencé cette semaine-ci avec un rhume encombré, enfin voilà, et mon asthme qui revient. Donc je me suis dit, voilà, je vais me reposer aujourd'hui. J'ai fait une prise de sang, j'espère que, voilà, je croise les doigts pour que ça va être positif. Mais voilà, niveau santé, c'est pas top en ce moment. Et du coup, je reviens à ce que j'expliquais. Donc voilà, j'adore les recettes hyper rapides, savoureuses et variées. Enfin voilà, que ce soit un plat aujourd'hui, par exemple, du Mexique, enfin d'origine du Mexique. Je pense hein, que c'est originaire du Mexique. Enfin, voilà, de l'Amérique, en tout cas, Amérique du Sud. Et bah, la fois passée, c'était l'Italie. Avec les pâtes aux courgettes, donc je vous mets le lien juste au-dessus, j'ai failli dire gourgette, hein, comme ça vous qui me connaissez savez. Donc je vous montre vite fait les ingrédients, donc sachez que moi je suis une fan de, enfin voilà, j'aime beaucoup consommer bio, mais voilà, à vous de prendre ce que vous avez l'habitude de prendre. En plus je suis intolérante au lactose, donc ici moi le lait, le beurre, j'en ai testé un de chez je sais plus quelle marque. Mais ça, c'est un beurre voilà, que j'ai l'habitude d'utiliser. Donc, c'est un office de beurre. Hein, d'accord, c'est organique. Donc, voilà, du ghee easy. Je prends toujours le grand format. Donc, ça, c'est pour le beurre. Il vous faut environ 50 g de beurre, sel, poivre. Donc, moi, je prends du sel d'Himalaya. J'arrive à ne pas trop saler les plats, c'est une habitude que j'ai eue. Donc ici, ce sont des haricots rouges, d'accord. Je préfère prendre les haricots rouges que les haricots blancs pour cette préparation. Donc ici, je les ai trouvés en boutique bio. Si vous avez une suggestion d'endroit où trouver des conserves bio, ça m'intéresserait vraiment. Vous voyez tout ce qui est maïs en bocal, voilà, toutes ces choses-là. Si vous avez des suggestions, n'hésitez pas d'enseigne ou en trouver pour pas trop cher. N'hésitez pas à partager ça. Donc ici, j'ai trouvé, c'est la marque Danival. Donc moi, j'ai le Danival en ketchup. C'est un que Baya aime beaucoup, donc c'est un ketchup beaucoup moins sucré, donc il y a pas de, voilà, c'est du au sirop de riz. Il est bio et Baya l'aime beaucoup, il se rapproche très bien de celui de chez Heinz. Après on a aussi celui-ci, bon, qui goûte vraiment la tomate de Quintessence, qui est vraiment bien, vous voyez, il n'y a pas de sucre, il y a trois fois moins de sucre, pas, sans aucun additif. Et voilà, il est, moi je l'aime bien, hein. Bon après on dirait que ça ressemble plus à de la purée de tomate, du concentré de tomate, qu'un vrai ketchup comme l'autre par exemple de Danival qui ressemble vraiment au Heinz. Donc n'hésitez pas à le goûter, il est vraiment bien. Pareil en boutique bio, je l'ai trouvé. Je vais essayer de vous suggérer peut-être des épiceries en ligne. Je n'ai jamais testé ça, je vais essayer de tester. Si vous en avez des à me suggérer, n'hésitez pas à me les mettre en commentaire. On m'a parlé de Casidomi, je crois que j'en avais parlé une fois parce qu'il m'avait demandé de faire un post, mais je n'ai pas vraiment testé. Donc voilà, n'hésitez pas à me dire, je sais qu'il y a beaucoup de gens qui y vont dessus. Voilà, c'est un espèce de, enfin, une épicerie en ligne qui vous permet d'acheter avec réduction si vous êtes affilié, vous payez un forfait par an. Et alors vous avez le produit, enfin, tous les produits moins chers que si vous alliez en boutique bio, quoi. Donc ici, le Danival, c'est un concentré de tomates. Donc il vous faut 60 grammes environ. Pour une boîte d'haricots, il n'y a pas vraiment un grammage, mais environ ouais, 400 grammes. Il faut une grande boîte. Si c'est des petites, prenez-en deux. Moi, j'aime bien mettre poivron rouge, poivron vert, poivron rouge, pas trop, parce que j'ai l'impression que je réagis au niveau de l'estomac. Vous savez comment fragile. Et alors, déjà qu'en plus, il y a du concentré de tomates. Et puis, moi, j'aime bien rajouter, je ne sais pas pour vous, mais de la purée de tomates. Donc, normalement, vous pouvez très bien faire cette recette rien qu'avec ça.
Ok, enfin, avec tout ce que je vais vous montrer, mais sans la pulpe de tomate. Mais moi, j'aime bien rajouter la pulpe de tomate, surtout le lendemain, pour que ça reste quand même. Allez, que ce ne soit pas trop sec. Donc, pour les épices, cumin, chili, poivre, sel. Mais vous avez également dans tous les magasins, sections, pays du monde et tout ça, ou même des fois juste dans les épiceries, enfin, dans les épices, des chili con carne, enfin, des seasonings, des sachets comme ça, déjà préparés avec tout dedans. Vous avez juste à mettre la viande et vos légumes, oignons, etc. Et puis, c'est bon, quoi. Donc, voilà. Bouillon de bœuf, pardon, donc environ 300 ml. Mais bon, moi ici, je n'ai malheureusement plus de bouillon de poule, de bœuf, pardon. Donc j'ai pris de légumes. Mais sachez qu'en bio, vous avez cette marque-là. Donc voilà, moi c'est ce que je termine mes Knorr et puis après, je passerai à ceux-là. Ou alors, hein, je vous partage en même temps ce que j'ai à la maison. Hein, comme ça, vous voyez en bio, ça. Vous voyez? Donc là, c'est vraiment en poudre, tu doses, c'est vraiment pas des cubes, contrairement aux autres. Et alors, 400 grammes, 500 grammes, ça dépend si vous préférez plus de viande, plus d'haricots, moins d'haricots. Vraiment, pour les haricots et la viande, à vous de varier, enfin de choisir le dosage. Sachez que pour cette recette-ci, donc attendez, je vais terminer, deux oignons et deux gousses d'ail, d'accord? Donc, pour cette recette-ci, sachez que moi, quand je fais du chili con carne, par exemple, aujourd'hui, je vais le manger bah, comme ça, vraiment comme ça, sans riz. Il y a des personnes qui aiment bien accompagner ça avec du riz. Moi, j'aime beaucoup également, le lendemain, par exemple, prendre juste des chips Doritos, du sour cream, et tu mets ça par-dessus avec un peu de fromage, t'enfournes, et ça fait office d'entrée, mais également de plat si tu t'en mets enfin, beaucoup plus. C'est à tuer. Tu fais un genre guacamole à côté. Hyper bon. Tu peux rajouter ça également avec du pico de gallo. Je vais essayer de vous. Enfin voilà, c'est une recette hyper simple. C'est voilà, des oignons, des tomates. Enfin, c'est une style de salade fraîche, froide, mexicaine aussi, je pense. Et du coup, tu peux mettre ça à côté. Tu mets le sour cream, donc la crème sûre. Par contre, ici, j'ai complètement oublié. Voilà, en magasin bio, moi j'aime bien l'acheter. Le persil. Donc, il vous faut du persil frais de préférence. Après, moi, j'ai l'habitude de le prendre. Je le lave, je le coupe et je le réserve au réfrigérateur. Et donc, comme ça, à chaque fois, j'ai du frais. Enfin, du frais. Enfin, un vrai. Pas en épices sèches, vous voyez. En persil, j'aime pas ça. Je préfère toujours avoir du frais ou du congelé. Mais voilà, que moi je coupe et que j'achète en magasin bio. Si vous trouvez également du persil déjà prédécoupé, enfin, vous voyez, déjà nettoyé, tout ça, mais bio, à congeler, n'hésitez pas à me partager ça. Donc voilà, c'est hyper rapide. Là, les petits sont en train de regarder Lilo et Stitch. Donc moi, je vais faire ça hyper rapidement. On commence, regardez la recette à 8 minutes 30. Donc c'est parti, il vous fait juste une casserole. Donc je suis en mode pige, hein, comme ça vous savez. Et je n'ai pas encore prédécoupé, chose que j'avais faite l'autre fois par exemple, je pense. Ah non, je ne l'avais pas fait. Pour ma recette de pâte aux courgettes, j'avais déjà, je pense, prédécoupé. Je ne me rappelle plus. Donc le sang, c'est parti. Vraiment épuisée et je suis désolée parce que je sais que vous adorez les lives. Hein. Coucou Roro Macaron. Je sais que vous adorez les lives, mais vraiment désolée. Aujourd'hui, je suis vraiment. Enfin voilà, mon nez hier c'était horrible. Là aujourd'hui, c'est ma gorge qui a commencé et en plus, j'arrête pas de tousser. Enfin, c'est vraiment mes bronches. Donc voilà, je dois reprendre mon puff parce que je suis une petite asthmatique, comme je vous ai dit. Donc je l'ai vite fait. Enfin, les fruits et les légumes, j'allais dire. Je lave vite, vite fait mes légumes. Hop. Le désavantage du live, c'est que tu n'as pas moyen de couper
les moments comme ça. Hop. Et vraiment hyper rapide, vous allez voir. Hein. C'est encore plus rapide que la recette des pâtes aux courgettes. Alors, ce que j'aime beaucoup faire aussi avec cette recette-là, donc comme je vous ai dit avec les chips, ou alors quand tu fais un warp à la mexicaine. Genre, tu mets ton pico de gallo, donc c'est la salade que je vous ai dit, la tomate fraîche avec coriandre, citron, hop, oignon et tout. Tu tapes ça dans un wrap avec même des morceaux de poulet, enfin voilà, un style de tacos, burritos. Franchement, je vais essayer de vous faire ça dans ma vidéo aussi. Dans ma vidéo du Mexique, de mon vlog au Mexique avec mon amie Stéphanie et mon meilleur ami Paco, vous pouvez aller vous retourner, vous tapez vlog Zina Ben Emua. Est-ce que je vais faire quelque chose d'assez plat? Parce que, en fait, je me dis. Je vais peut-être le faire dans le wok. Habituellement, je le mets dans une sauteuse ou dans une poêle. Je vais vous montrer quelle poêle. Enfin, quelle casserole. Mais comme ça, vous allez avoir plus facile pour voir. Alors, je vais peut-être vous mettre... Non, ce que je vais faire, c'est que je vais aller chercher mon trépied. Comme ça, vous allez bien voir comme la semaine passée. Vraiment, parce que... Je vais vraiment pas... Hop. Ça va, mes loulous? Ça, on va bientôt manger. Hein. Oh, je suis épuisée. Vraiment, c'est un truc de fou. Donc, je vais vous mettre sur mon petit trépied ici. Et j'espère que vous allez mieux voir. Parce que l'autre fois, vous voyez bien. Voilà. Ouais, je pense que vous allez mieux voir comme ça. Que poser en face. Donc comme ça, ça va mieux pour vous? N'hésitez pas à me dire. Voilà. Ouais, comme ça, vous allez mieux voir. Alors, donc je range mon cumin. Vous savez, moi, pour les épices, ça vient fraîchement. Donc, hop. Donc, je vais couper... les oignons juste après. Hop. Voilà. Je vais pas en mettre de trop. Donc comme je vous ai dit, hop. Oui, c'est génial. Comment placement on va bien là. Ok. Ma soirée, quelle soirée? Ma soirée, tes vidéos recettes sont mes préférées. Génial, Ronron Macaron. Ah, je savais pas que c'était tes préférées. Ouais, malheureusement, ce soir, pas de live. Mais vous inquiétez pas. Cette semaine, je vous réserve, comme je vous ai promis, des vidéos. Pose de fossiles magnétiques de chez Action et de chez Primark. Ok. Qu'est-ce qui se passe? Vous avez pas ça, vous? Je déteste ça, ça. J'aime pas salir mon... Et pourtant, hop. Ah ouais, et pour celles et ceux qui sont intéressés, moi j'achète celle-là aussi de chez Aldi qui est très bonne. C'est une purée de tomates, accessible, vraiment pas chère. Donc voilà, comme je vous ai dit, intolérante au lactose. Ah ouais, ma soirée en boîte, oui, oui, oulala, si vous saviez. Par contre, après le lendemain, j'ai plus du tout eu mal au ventre. Incroyable quoi, vraiment, j'ai plus du tout eu mal. Donc voilà, c'est tant mieux. Mais là, c'est là où a commencé mon rhume.
Si c'est pas l'un, c'est l'autre. Si ça, il y a toujours quelque chose, moi. Vraiment. Alors, donc j'ai mis ça. Ok, donc je vais couper mes oignons. Je vais peut-être retirer la girafe. Dites-moi un peu, vous, pour l'eau. Depuis que j'ai donc consommé de l'eau, vous voyez, aller nettoyer avec des perles céramiques ou du charbon, je sais pas, j'ai pas l'impression que c'est aussi sain et aussi propre qu'une bouteille d'eau. Enfin, l'eau est pas aussi minéralisée, aussi, ouais, aussi propre que l'eau de bouteille. Je sais pas comment. Pas visuellement, hein, je parle. Mais quand, je sais pas si c'est psychologique. Hein. Donc encore une fois, mes poils et tout ça, ça va pas changer. C'est toujours je vous mettrai les liens en barre d'infos que j'aime beaucoup, que j'utilise comme ça. Enfin voilà, j'ai la sauteuse, j'ai le wok. Qu'est-ce qu'elle a? Ah ouais, celle-là, je l'avais fait tomber, donc elle est devenue de travers un peu d'un côté. Mais hyper pratique, hein. Les Ingenio. Même niveau rangement, je vous mets les liens de ma cuisine, du rangement cuisine que j'avais fait dans mon autre appartement. Et bientôt, ma vidéo de mon nouveau rangement cuisine pour cet appartement-ci arrivera. Mais hyper pratique, hein, vraiment. Et mes couteaux, je vous en parle encore. C'est mes Bramantia que j'aime trop, qui coupent hyper bien. Aujourd'hui, je prends quand même le plus grand, hein. Vous pouvez très bien utiliser des oignons rouges également si vous voulez. Voilà, alors on allume. Donc vous mettez le beurre. Si vous n'êtes pas une fan de beurre, vous pouvez mettre de l'huile d'olive ou qu'importe, hein, de l'huile de coco. Ben voilà, quelque chose pour ramollir vos... Voilà. Donc... Hop, les deux oignons. Ton pyjama canon, merci. C'est un que j'ai acheté quand je suis partie aux States. Les Jones, New York Jones, un truc comme ça. De toute façon, j'avais tout mis. Oh, mes yeux, ils brûlent, mes yeux, ils brûlent, mes yeux, ils brûlent. Ça, c'est l'oignon, hein. Mais on dit que ça nettoie, apparemment. Ah, je vous jure, je suis vraiment... Oh my god, mes yeux, ils sont en train de me brûler, quoi. Je vais quand même rincer l'intérieur des poivrons. Je retire quand même, vous savez, à l'intérieur, il y a quand même des petites... pas des petits trucs blancs, là. Pas les... Pas la longueur, sur la longueur. Ça, j'aime pas, donc je retire quand même. Donc je sais pas pour vous, moi j'adore, j'ai l'habitude, c'est ma cuillère en bois. Et je vois que je ne l'ai pas. Elle est où ma cuillère en bois? Avec ma cuillère en bois. Where is she? My career umbra. She's not here. C'est quoi ça? Ah non, 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 impossible. Hein. Ma cuillère en bois, elle est où? La blague. Ah, elle est là. Elle, c'est ma copine. Ça a été ma copine toute mon enfance parce que je l'ai ramassée sur la tête. Non, je rigole. Hein. Enfin, peut-être pas en fait, mais voilà, je la connais très bien, la cuillère en bois, et franchement c'est hyper pratique, j'ai l'habitude, hein. Mais des fois ça bug, c'est trop bizarre. Chez vous ça va? Vous savez, moi en fait tout est connecté à mon internet, donc
vous coupez en petits morceaux. Ok, d'abord en lanière. Si vous avez des machines, la Dicer Cube ou je sais pas quoi là, coucou. Et donc, vous faites donc les petits cubes. Comme ça, voilà. Grossièrement, après, si tu veux avoir vraiment des petits morceaux, c'est vrai qu'avec les petits, ils aiment bien quand c'est coupé beaucoup plus finement. Mais... Ce qui est bien avec les faux ongles, c'est que tu peux pas te couper les doigts, ça bloque les couteaux, tu vois. Ah, c'est l'avantage, c'est l'avantage. Et franchement, les petits, ils adorent. C'est un truc... les miens, une fois que c'est mijoté, c'est bon, ils prennent. Hein. Après, c'est une... des questions d'habitude. Veuillez m'excuser. Quand je vous dis que je suis pas bien, c'est que vraiment, je suis pas bien. Pour pas faire mon live ce soir, non, mais je vais me coucher aujourd'hui, je me suis dit, je vais me faire un bain, et puis je me couche, je me mets dans mon fauteuil. Et faisons que je sais rien faire si j'en ai. Attendez. Ouais, ouais, je suis déjà en mode repas, comme ça, c'est bon. J'aime trop tes formes. Tu as ce qu'il faut où il faut. Merci. Non, non, la planche en marbre, elle est canon. Je vous la mettrai en barre d'infos, hein. Je vous jure, j'ai voulu commander. Par contre, les couleurs de pierre, des fois, ça change. Et il faut vraiment bien sélectionner la couleur de pierre. Je voulais l'offrir pour ma mère quand j'étais partie au Maroc. Elle est bien lourde. Elle se raye pas. À chaque fois que tu repasses avec un chiffon, j'ai l'impression que... Enfin, ça fait quoi? Ça fait... Regardez. Ça fait plus d'un an maintenant que je l'ai. Vous voyez? Regardez. Et vous avez très bien vu, et je ne mens pas, je cuisine tout le temps. Hein. Vous le savez, hein, que je cuisine tout le temps à la maison. Hein. Donc, vraiment... Bonjour, Zou, ça va? Déjà en mode repas. Les faux ongles, je sais rien faire. Si... J'en ai. Ah ouais, toi, t'arrives à rien faire. Non, non. Bah, poivre gris. Siam, tu peux trop rire. Poivre gris. Non, non, je ne l'ai pas rencontré. Mon pyjama, du coup. Ma soirée s'est vraiment bien passée. C'était, vous allez rigoler. Steph n'était pas dans tous ces... On est rentré à... parce que c'est... Attendez, hein, il était quelle heure? Je crois que je suis arrivée chez moi, il devait être 9h du matin. Si je me trompe pas, hein. Il devait être 9h du matin. Je vous jure. Mais on a... Franchement, au début, j'ai eu... Vous voyez le coup de pompe que t'as quand t'es en soirée et qu'il commence à faire trop chaud? Ouais, il y avait full monde, c'était full. Tu voyais que les gens, enfin voilà, les gens, ils veulent sortir, quoi. Là, maintenant, ça leur a manqué le contact humain, les gens rigoler, tout et tout. Alors, attendez. Est-ce que je mets... Non, je vais d'abord préparer, je vais faire ça. Non, non, j'ai envie de les faire fondre un peu. Est-ce que je les veux croquants ou pas? En fait, si vous mettez maintenant... Ouais, pour les petits, peut-être pas. Si vous mettez maintenant les poivrons,
Donc vous pouvez très bien mettre aussi poivron rouge ou vous pouvez ne pas mettre de poivron. Mais moi je trouve que ça me rappelle un peu les saveurs mexicaines. Ah oui, 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 hein. Moi j'ai jamais la flemme de cuisiner. J'ai jamais d'idée. Non, franchement, ça c'est hyper rapide. T'es là, t'es occupé, tu fais quelque chose d'autre même. Enfin après, moi j'aime bien cuisiner, hein, mais après c'est la vaisselle. Là je me dis, oh, la vaisselle, ça je déteste. Après, quand je suis lancée, hein, la vaisselle. Mais à vous de choisir quand vous mettez les légumes. Vous pouvez les mettre après. Il y a des gens qui vont mettre la viande avant. Il y a des variantes, hein, je vous dis. Hein. Il y a plusieurs manières de faire des chili con carne. Il y a même des chili con carne. Nous, on aime bien le maïs. Et je me dis, bon, il me reste une boîte de maïs, mais j'aimerais bien l'utiliser pour le thon cette semaine. Donc, du coup, je ne vais pas l'utiliser. Mais tu peux très bien rajouter, aller rajouter du... Oh, mais j'ai mis où mon ail? Bordel, je l'ai jeté mon ail. Ouais, je l'ai jeté. La débile. Je me dis, c'est bien, j'ai mis où mon ail? Il est ici. Heureusement. Heureusement que j'ai une poubelle... alimentaire, vous voyez, j'ai plusieurs poubelles hein, chez moi comme ça, vous savez. Hop là. Faites attention quand vous faites ça, hein. Risque de se couper. Si vous faites du mauvais côté. Donc voilà, ici j'ai encore du beurre dans ma cuillère, donc je repasse quand même ça. Hop. Je ne gaspille rien, moi quand je cuisine, je vous explique. Hein. Je suis une anti-gaspillage. Voilà. Donc tu fais ça. Tu prends ton poulet, ça peut être de ton poulet, ton haché de bœuf, hein, pardon, j'ai oublié de le préciser. Donc, tu prends ton haché de bœuf et tu l'émiettes. Alors, si vous désirez faire du riz à côté, sachez acheter du riz blanc, ok. Et alors, ce qui est bien, c'est que si vous n'avez pas la machine à riz collant, vous pouvez le faire avec du riz non collant. Mais si vous voulez avoir du riz collant, vous voyez, un peu comme quand vous allez manger chez le Chinois ou le Thaïlandais, enfin chez les Asiates. Hop. Vous allez mettre, donc vous prenez une casserole type casserole à lait. Vous mettez votre riz, vous le rincez toujours bien, bien laver le riz avant. Vous laissez de l'eau à hauteur, à même hauteur que le riz, un peu plus haut, quoi. Vous mettez un couvre, enfin la casserole. Et alors, vous laissez chauffer. Et alors, vous allez voir que automatiquement, vous ne retirez pas à chaque fois la casserole. Hein. Moi, j'ai une transparente, donc ça me permet de voir. Mais vous allez voir que le riz va devenir, va cuire et il va devenir collant. Il va devenir le riz collant comme chez les Asiates, quoi. Alors, vous écrasez un peu. Hop, bien lâché. Et c'est là où vous allez saupoudrer en fait la mixture. Après, vous pouvez très bien, si vous mettez ça en fait, pas mettre le bouillon. Hein. Ça dépend en fait de chacun. De l'intensité de
saveur que vous voulez donner à votre chili. Et puis je sais qu'il y en a des qui vont critiquer ou qui vont dire ah bah j'avais pas eu l'idée de faire ça ou j'avais pas. Voilà. Chacun fait comme il veut. Hein. Le chili, c'est un peu comme comment faire sa sauce tomate. Voilà. Tu fais du chili avec du bœuf haché. Ouais. Après, vous pouvez très bien également faire un chili. Bon, à la base, le chili, il y a les chili veggie aussi. Hein. Donc celui-là, ici, je l'ai trouvé chez Albert Heijn. D'accord. Je teste un peu partout. Voilà, comme ça, vous savez. J'en ai testé un peu différentes enseignes, moi. Vous savez, c'est pas que pour les produits de beauté ou qu'importe. Les produits de périculture et tout, même le food. J'adore goûter de nouvelles choses. Donc voilà, ça donne ça. Les enfants sont là, ils cuisent pas avec le main. Non, non, aujourd'hui, je leur ai dit, laissez-moi tranquille. Je leur ai acheté des livres, ils ont fait quelques exercices. J'avais pas la patience, on a fait quelques exercices et puis j'ai dit, allez. Si vous voulez regarder, parce que je ne suis pas très télé et tablette, mais je privilège la télé et la tablette quand je suis cassée ou je dois m'occuper de quelque chose. Vous voyez? Mais sinon, ils sont toujours à côté de moi. Et là, vous avez vu comment ils sont silencieux? Bon, quand, si j'avais fait si j'avais déjà fait mon house tour, je vous les aurais montré, je vous aurais montré chez moi. Mais comme je ne l'ai pas encore fait, je n'ai pas envie de spoiler ces vidéos-là. Voilà, ça sent déjà hyper fort. Donc, ce que je vais faire, c'est que je vais prendre une cuillère. Et donc, je vais prendre le concentré de tomate. Je suis d'accord avec les écrans. Ça sauve les mères. Qui vient manger ce soir? Personne, juste mes enfants et moi. Donc, je vais prendre ça. C'est la première fois que je le teste. Se concentrer. Donc ici c'est un concentré à 100 grammes. Je vais prendre 60 grammes. Je vais vous montrer un peu comment ça devient lorsque vous mettez que le son concentré. Et puis je vais vous montrer lorsque tu mets juste concentré lorsque tu mets la purée de tomate avec. Donc moi, habituellement, j'utilise celle-ci de LVA. Vous en avez d'autres, hein, des bio de chez aussi Paul Reuss. Voilà. Alors, qu'est-ce que je voulais faire d'autre? Donc voilà, le concentré de tomate. Mais moi, ça, ce que j'aime bien, c'est que j'aime bien quand c'est pas trop sec, en fait. Et surtout si tu mets avec du riz, enfin voilà quoi. Mais ce que j'adore, franchement, moi j'aime bien en faire plus d'habitude, quitte à appris à cuisiner. Oh, franchement, j'ai toujours aimé. Et j'ai toujours pris un peu de tout le monde. Une recette que je regrette vraiment, enfin, il y a plusieurs recettes, par exemple, que j'ai beaucoup aimées de mon ex-belle-mère et que je regrette quelques-unes. J'en ai pris note et puis d'autres que, voilà, je les ai pas. Mais la grand-mère aussi de mon ex-mari m'avait appris les pâtes aux fruits de mer, les spaghettis aux fruits de mer. Enfin, c'est en tout cas une recette de chez eux. J'ai aussi envie de vous repartager toutes les recettes de ma maman parce que ça me permettra à moi de garder les recettes de ma maman, que mes enfants puissent les refaire et puis que vous partagez aussi parce que je ne sais pas si c'est parce que c'est ma maman. Ma maman, c'est très savoureux ce qu'elle prépare. Donc voilà, après je pense que tout le monde dit ça de sa maman, mais salam tout le monde, tu parles du nez, t'as attrapé froid, c'était bien la soirée à trois mamies de sortie. Ah oui, 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 j'en ai parlé là tantôt. Mais sinon la cuisine, je l'ai apprise un peu, j'ai aimé à cuisiner, surtout quand j'ai eu mon premier appart toute seule. Ah ouais, là j'ai kiffé de dingue, et puis... de savoir cuisiner. Le problème quand tu cuisines, bon, c'est la vaisselle déjà. Ta cuisine est à l'image de ta personnalité, ouverte au monde. Merci Siam, c'est vrai. Ouais, je l'ai dit en début de vidéo. Hein. Moi j'adore tout. Après, j'ai jamais, vous allez rigoler, mais j'ai jamais mangé indien.
Ce soir, il n'y a pas de live. Je suis crevée, je vous jure, je suis à bout. J'ai été faire une prise de sang. Je vous ai dit, hein, j'étais morte la semaine passée. Et je me suis dit, c'est bon, quand je vais récupérer mes enfants, ça va aller. Mais non, ça va toujours pas. En fait, la semaine passée, c'était tout ce qui était ventre et tout ça. Et maintenant, c'est tout ce qui est rhume, gorge, nez, oreille, quoi. Tout ce qui est ORL. Donc là, j'ai été chez mon médecin aujourd'hui. J'ai dit, j'en ai marre. En plus, je suis censée faire le vaccin. Hop. Je suis censée faire mon vaccin pour Disney. Et j'ai été chez mon médecin. J'ai dit, je ne vais pas faire ce vaccin. Je ne vais pas faire ma deuxième dose. Donc là, vous jetez, hop. Donc ici, il y en a 400 grammes. Hein, comme ça, vous savez. Et c'est cette marque-là. D'accord. Pareil, c'est la première fois que je les teste. Mais je disais que pour Disney... et j'ai une question par rapport à ça à vous poser. Vous allez me dire ce que vous en pensez. Ah, ben là, il y a beaucoup plus de viande que d'haricots. Du coup, je me dis, est-ce que je rajouterai pas la deuxième boîte? Comme ça, en même temps, ça me fera plus de chili. Et quand je vais vouloir faire... Vous voyez, regardez. Niveau quantité, c'est vrai qu'il y a beaucoup plus de viande. Non, c'est peut-être bien comme ça en fait. Parce que c'est vrai que cette semaine, j'ai encore. J'ai acheté des brochettes de poulet pour demain. Ou peut-être demain, on va faire soirée frites. Demain, ça va être soirée frites, ça faisait longtemps. Je te conseille le Maharaja en resto indien, une tuerie. Et qu'est-ce qu'il est beau en plus. Ok. Et ça se trouve où, Incognita? Zou, sans doute, est-ce indiscret, tu semblais t'es très proche de ta belle-mère, voire ta belle-famille. Comment gères-tu maintenant, cela vu que tu n'es plus avec ton mari? Ben, je pense que chacun prend ses distances, c'est mieux. Après, mon ex-belle-mère me manque beaucoup, vraiment. C'est quelqu'un que j'ai vraiment apprécié. Mais voilà, il y a eu des différents, des désaccords par rapport à certaines choses. Et moi, je veux dire que... Voilà, faut rester neutre et objectif dans toutes les situations. Et voilà, je me suis pas sentie soutenue à un moment. Du coup, j'ai préféré prendre mes distances. C'est comme ça, hein, qu'est-ce que vous voulez. Mais par contre, voilà, c'est une personne qui a été très très bien avec moi du début jusqu'à la fin de notre relation. Vraiment, moi, c'était une deuxième maman pour moi, vraiment. Alors, soit à Stalingrad, soit à la Ruffienne, le Maharaja. Ok, ça va, bah j'irai tester, Incognita. Mais j'ai vraiment peur, parce que je vous explique, épicé, trop épicé, j'aime pas trop. Hein. Non, le Maharaja, un collègue travaille là-bas, et niveau hygiène, ça craint. Mais c'est vrai que c'est beau. Oh, Mila, il travaille auquel? Niveau hygiène, je vous conseille plus lequel, parce que si niveau hygiène, ça va pas... Et normalement, c'est à ce moment-là que vous mettez le persil. Voilà, quand vous servez, vous mettez un peu à ce moment-là. Et puis, vous savez, j'ai pas mis de sel, j'ai pas mis de poivre. Moi, ce que je vais y mettre la pulpe de tomate. Vous voyez, parce que c'est... Vous voyez comment c'est? J'ai besoin que ce soit un peu plus... Je sais pas, un peu plus facile à ramasser à la cuillère. Je sais pas comment vous expliquer. Donc ça, je l'ai acheté en... Hop. Ça, c'est vraiment optionnel, hein, ok. Et surtout, si tu mets ça avec du riz, enfin voilà, ça comble un peu. Vous voyez, là maintenant, c'est une meilleure texture. Je sais pas comment vous expliquer. J'espère que vous voyez bien. Ça se rassemble mieux. Donc voilà, vous pouvez couvrir, laisser un peu couvrir, vous pouvez manger directement. C'est juste le temps en fait que les haricots rouges, bah, ils sont cuits. Hein. Ils sont déjà mous, mais il faut qu'ils prennent la chaleur jusqu'au centre d'eux-mêmes. Donc ça, je vais réserver. Et puis si vraiment demain, je vois qu'il faut hop, en remettre, j'en remettrai. Oui, Zina a deux frigos, comme ça vous savez, j'en ai deux. La recette, ouais, la recette sera en replay. Mon pyjama, il vient des États-Unis et c'est la marque Jones New York.
Je le présente dans ma vidéo haul, ouais, de tout ce que j'ai acheté, quand je vous présente toutes les choses que j'ai achetées quand j'étais à l'hôtel aux États-Unis. C'est vrai que trop d'épices masquent le goût des aliments, voire la qualité, et les restaurants indiens, c'est trop épicé. Ouais, ouais. Il est définitivement fermé. Alors attendez, hein, parce que j'essaye de suivre ce que vous dites. Ils vont enlever le pass vaccinal, autant pas le faire, je pense moi aussi. Moi, j'ai aucune dose, peut-être que je suis pas objectif. Zou, sans doute, est-ce indiscret, je te conseille le maram. Moi, mes enfants sont positifs, Covid, dégoûtés. Oh, 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 Estelle, courage. En tout cas, merci pour vos likes, merci pour votre fidélité. Et vraiment pas à feu vif, hein. Une fois que la viande elle est cuite et que... Enfin voilà, si tu veux laisser un peu mijoter pour que les haricots s'imprègnent. Parce que je sais pas, c'est comme quand... Pour moi, les légumes en conserve et en bocal, quand tu les fais... voilà, tu les tapes direct dans une casserole et tu les laisses pas un peu s'imprégner des épices et de la préparation, ça peut... Ça peut faire contraire à ce que tu as préparé. Ça peut faire séparer, en fait. Séparer le goût de ce que tu as préparé avec ce que tu as rajouté, en fait. De l'aliment lui-même. Le légume, quoi. Et du coup, j'aime bien laisser un peu comme ça prendre. C'est comme un peu pour les pâtes, hein, quand je cuis les pâtes. Merci beaucoup, Estelle, de relancer. Merci de liker cette vidéo, si elle vous plaît. Mais en tout cas, voilà, le chili, je vous le remontre. Hop. Regardez. Voilà, il ressemble à ça. Et c'est hyper, hyper bon. Et si vous voulez rajouter, comme je vous ai dit, hein, le riz, ça peut être... Vous tapez ça dans un wrap avec juste du cheddar. C'est hyper bon. De la salade verte, de la salade, des petites carrés de tomates pour apporter un peu de fraîcheur. N'oubliez pas le persil, la coriandre. Vraiment, vous allez adorer. Ah non, jamais au pistolet. Sauf si c'est du lobe. Mais dans le cartilage, c'est toujours, toujours à l'aiguille. Donc, voilà. J'ai... Hop, hyper rapide la recette. Ouais, ouais, franchement. Je vais mettre peut-être comme ça. Hyper rapide la recette et hyper savoureux. Salam Zoubidab, Saha, les enfants vont-ils bien? Ils vont très bien, merci. Mange ça. Ouais, oui, mange ça, les enfants. Bon, boulevard Le Monnier, incognito. Ma vidéo piercing va arriver, c'est juste que j'attends de rétablir pour un. Bah si, tu peux très bien rajouter du maïs dans cette recette. Et comme je l'ai dit durant la préparation, tu choisis en fait ce que tu as envie de mettre. Tu pourrais même rajouter du poivron, des petits morceaux de tomates. Moi, je ne mets pas de riz, c'est trop déjà lourd. Je veux dire, je pourrais très bien le faire, mais j'aime bien le manger comme ça. J'aime bien aussi couper juste un peu de tomates fraîches. Oh, merci Touta pour Tata. Boabar Touta. Oh, vous êtes gentil. Merci beaucoup. Rien en plus, c'est une nouvelle qui est sur mon live. Je t'ai jamais vue, mais en tout cas, merci pour le soutien. Elle a envoyé 4,99€ sur ma chaîne. Merci beaucoup. Moi aussi, j'ai jamais mangé de ma vie indien. Pourtant, ça a l'air bon. Ouais, ça a l'air bon, mais moi, ça me fait peur. Comme disait, enfin voilà, déjà manger dehors, j'ai toujours peur que niveau hygiène ce soit pas top. C'est pour ça que je mange beaucoup chez moi, j'ai toujours peur de me choper quelque chose. Et bah franchement, Salif, si tu le fais, tague-moi sur Insta ou quoi. Si vous refaites cette recette, retaguez-moi, comme ça je vois un peu vos préparations. Mais voyez, une fois que ça commence à, hop, à un peu remonter là. Et les petits, je vous jure, ils mangent ça, hein. Parce que c'est vraiment savoureux avec les épices. Donc, comme je vous ai dit, si vous achetez pas le sachet d'épices, vous mettez juste du cumin, du sel, du poivre et du chili, si vous voulez. Le chili ou du paprika même. Et je vous jure, ça donne un wrap. Hein. Ma mère
pour vous dire, ma mère ne connaissait pas la cuisine mexicaine. Quand je suis revenue du Mexique, j'ai fait découvrir à ma famille la cuisine mexicaine. Ils en sont devenus dingues parce que c'est vraiment frais, c'est sain, c'est propre. Le cheddar, vraiment, enfin, vous le râpez comme ça, vous faites... Vous prenez un wrap, et il y a un wrap que j'ai envie de tester là maintenant. Je l'ai acheté chez Aldi. J'ai trouvé chez Aldi. C'est des wraps blé complet. Non, je mange pas avec du pain. Je vous jure, hein, là maintenant, en ce moment, avec ce que j'ai eu là, avec mon ventre, tu peux très bien l'accompagner avec du pain hein, si tu as envie. Mais voilà, nous, on a été habitués, les Arabes, vous savez. Hein, c'est... on mange du pain même avec de la pastèque. Pour vous dire, moi, je me rappelle mon papa, la Hmo, mais bon, vive la constipation, vive les problèmes de transit et tout. Et donc, moi, vu que j'ai eu ce que j'ai eu la semaine passée, je me suis dit que je vais arrêter. Et je vous jure, c'est un super chat, un mini don pour aider Zina à poursuivre sa chaîne. Merci beaucoup, Tuta Bar Tuta. Tuta Bar Tuta. Merci beaucoup. Ça me fait plaisir, vraiment, dit. Franchement, parce qu'en plus, j'en parle même pas, je le demande pas, et quand ça vient comme ça, c'est enfin, d'autant plus appréciable, quoi. Alors, tu sais faire quoi comme plat marocain, une cuisine délicieuse et parfumée, tu sais faire quoi comme plat marocain, une cuisine délicieuse et parfumée, et je ne suis pas marocaine. Ouais, un pastèque. Bah, écoute, Siam, je vais essayer de repartager les recettes de ma maman quand je le peux. Et comment on peut faire un don? Ben, je sais pas, Tatouta, est-ce que tu peux expliquer? Parce que je sais vraiment pas. Et franchement, soutenir, si vous n'avez pas la possibilité de le faire financièrement, vous pouvez le faire en faisant des likes. Je veux dire, moi, c'était même pas un partenariat. Mon orthodontiste, quand j'apprends que voilà, il y a plein de gens qui vont chez mon orthodontiste et qui ont gagné beaucoup d'argent, qui ont économisé beaucoup d'argent, beaucoup de familles ont économisé beaucoup d'argent grâce à mon partage de l'orthodontiste, par exemple, je suis hyper contente parce que je me dis, même moi, hein, j'ai été faire une simulation de demande de traitement d'orthodontie. On m'a demandé plus de 4000 euros après celui-ci. Hein, donc, pour vous dire, truc de fou. Hein. Et je me dis, mais purée, c'est génial. J'ai reçu des messages vocaux de gens qui sortaient carrément de là et qui disaient, mais tu te rends même pas compte comment... Enfin voilà, il y a des familles qui ont 5 enfants, 4 enfants, 3 enfants. Et il y a des gens qui ne peuvent pas se permettre de payer autant pour un appareil, quoi. Et donc, ça me fait très plaisir que ça vous apporte. Et si vous ne savez pas contribuer à ma chaîne ou parce que vous voyez, j'ai pas beaucoup de liens d'affiliation qui me permettent de gagner ma vie. Parce que je vous dis, c'est un vrai business hein, maintenant. Les influenceurs mettent beaucoup de liens où tu peux gagner des commissions. J'en ai quelques-uns, moi, mais je ne suis pas ciblée que ça parce que je veux dire, voilà, tu dois négocier. Je ne suis pas dans la négociation, je ne suis pas dans le business, moi. Moi, je veux dire que si... c'est ce que je dis à mon orthodontiste, elle me dit, mais toi, t'es folle, tu ne fonctionnes pas comme ça parce que le monde ne fonctionne pas comme ça et on va toujours profiter. De faire... Enfin voilà, par exemple, l'orthodontiste, elle, voilà, elle a pu changer de cabinet. Je me rappelle les lissages brésiliens également. La personne qui fait les lissages brésiliens à Bruxelles, j'avais publié une vidéo et le type, il a décollé. Enfin voilà, quoi, ça a été leur chance. J'ai voulu partager et ça leur a permis de se faire connaître. Et qui, enfin voilà, maintenant, aujourd'hui, ils brillent. Mais dans tout ça, moi, je brille toujours pas, quoi. Je veux dire, moi, je suis là, je suis très contente d'avoir tous mes abonnés, mais j'aimerais bien pouvoir être payée de ça, dans le sens vivre de ça, parce que c'est au quotidien que je suis là à essayer de vous dénicher des bons plans. Je pourrais très bien garder ça pour moi. Je pourrais très bien négocier un contrat, par exemple, avec mon orthodontiste et dire, voilà, à chaque personne que je te ramène, ben voilà, tu me donnes 100 euros, j'en sais rien, moi, j'en sais rien. Mais voilà, je suis... Et je devrais, on me le dit, hein, tu devrais faire ça et tout, mais voilà. Donc en attendant, voilà, je me dis, j'aimerais bien, limite d'avoir genre un abonnement de mes abonnés, genre chaque abonné donne 1 euro, et alors par mois, et ça contribue à ma chaîne, et là je sais, mais en plus, payer quelqu'un qui vient me filmer, payer quelqu'un pour faire mon montage, et là je peux limite publier des vidéos tous les jours, hein. Je vous jure, en créativité, en fait, je sais que je suis créative et que je peux créer plein de choses. Mais ça me bloque et ça me saoule. Je me dis, je dois y réfléchir et j'aimerais bien prendre cette décision avec vous. Je ne sais pas ce que vous en pensez.
Mais faire un jour, c'est une recette, un jour, c'est un make-up, un jour, c'est une idée d'activité avec les enfants, un jour, c'est... Et comme ça, je peux me faire un programme, payer quelqu'un aussi qui m'aide, parce que je vous jure, c'est... Vous vous rendez même pas compte de la quantité, enfin, niveau temps, ce que ça demande. Je vous jure. Donc moi, en ce moment, je vous dis, je fais vraiment attention à ce que je mange, parce qu'avec ce que j'ai eu la semaine passée. Mais voilà, ça ressemble à ça. Et je vous jure, vous accompagnez ça avec un petit rond de riz, un petit bol de riz. Vous allez kiffer de Dieu. Un peu de persil par-dessus. Si vous voulez du cheddar, mettez du cheddar. Vous pouvez rajouter des petites dés de tomates ici frais. Fraîches. Du sour cream. Du guacamole. Un petit Doritos que tu fous en déco. Et je vous jure, bon là, c'est pas la meilleure déco au monde. Mais je vous jure, et même si tu as envie de faire genre une entrée... avec plein de chips, je passe du coq à l'âne encore une fois, hein, désolé, mais tu mets genre un plat carré comme ça ou rond avec plein de chips Doritos, donc un paquet de chips, ils sont en train de regarder Lilo et Stitch, plein de chips, tu mets ton chili con carne au-dessus, tu mets ça, tu mets du cheddar au-dessus, tu mets ça dans le four quelques minutes, le temps que le cheddar fonde, tu ressors ça parce qu'il ne faut pas trop cuire tes chips, hein. Chips et donc après ça tu mets du sour cream, toutes les petites choses que je vous ai dit en accompagnement, guacamole et tous les trucs frais, tu les mets par-dessus également. C'est trop bon, je vais essayer de le faire une fois. Franchement, c'est le truc que tu peux faire genre ou en plat pour deux personnes ou alors quand tu reçois des gens et genre juste comme ça, et c'est une réussite, je vous jure, c'est une réussite. Donc, voilà. Vous avez envie de manger, les loulous? Bye, Aiden. Vous avez faim? Non, ils sont prêts. Quoi? On mange quoi, les chili con carne? Voilà. Donc, vraiment... Et tu peux même laisser refroidir, faire une salade iceberg et tu saupoudres par-dessus avec ça. Et si tu aimes bien épicé, tu prends une sauce épicée comme ça. Et tu mets ça par-dessus avec quelques Doritos que tu prends et tu craques, là, tu craques un peu et t'en mets partout comme ça dans ta salade. Et ça donne du croquant, ça apporte du croquant à ta salade. Enfin, vraiment, il y a plein de possibilités. Et c'est pour ça que je dis quand tu... Voilà, moi le lendemain, je ne vais pas le manger comme ça. Je vais peut-être faire un wrap, ça dépend de mon transit, ça dépend de ce que j'ai envie en fait. Hein. C'est pour ça, moi, les menus de la semaine, j'ai un peu du mal parce que c'est vraiment selon mon envie. Moi, je suis quelqu'un qui fonctionne au temps présent. Ouais, non, franchement, il y a plein d'idées, il y a plein de possibilités. Mais ce chili, testez-le, vous allez m'en dire des nouvelles, vraiment. Et les épices... Tout dépend des épices que vous allez mettre. Mais les mélanges, c'est une garantie réussite d'office. Même si, je veux dire, tes haricots sont pas top ou ton oignon n'est pas hyper savoureux. Enfin, voilà, il dégage pas du feu de Dieu ou l'ail ou n'importe. Ça peut tourner vite fade. Mais si ton mélange d'épices que tu achètes spécial chili con carne, là, c'est une garantie parce que, voilà, ils mettent tout ce qu'il faut dedans. Mais tu peux très bien, par exemple, la fois passée, quand je l'ai fait, je l'avais publié sur Insta, je n'avais pas mis mon... Enfin, j'avais juste mis le cumin et un peu de paprika, sel, poivre, et c'était bon, quoi. Donc, voilà, comme ça, vous savez que les poivrons apportent leur saveur, l'oignon, l'ail, la viande, la sauce tomate, le concentré. Donc, voilà, je vais les servir. Bon, après, c'est encore chaud pour eux, là. J'allais dire comme le trou de cul du monde. Allez, let's go. Venez. Mettez pause, Maya. Maya. Venez, venez, maman. Vous voulez manger ici? Devant la télé, là, comme ça? Normalement, vous ne pouvez pas. À l'instant, les amis, ne
Laissez-moi les installer. Allez, venez, Maya et Dani. Allez, venez. Sert juste à boire et puis je suis à vous. Vaya Eden, allez, let's go, venez. Je vous jure, je suis dans un mauvais état. Je le sens. Ça va pas aujourd'hui. Hier, ça allait mieux. Mais là, aujourd'hui, non. Et je pensais que je me rétablissais un purée, quoi. Chill. Enfin, voilà. Donc là, il me reste... Regardez. J'en ai pour demain. Et là, si tu fais un wrap, t'as droit à faire trois wraps. Hein. Franchement, trois adultes. Hein. Tu mets ça, salade iceberg. Et voilà. Ne mettez jamais tes directement au frigo. Hein. Laissez d'abord que toute la chaleur parte. Et puis après, vous pouvez mettre ça au frigo. Pour le bouillon, non. Je pense qu'avec les épices, voilà. C'est mieux de ne pas exagérer parce que ça aurait été trop fort même pour les petits. Vous pouvez très bien le faire. Hein. Donc si vous mettez, par exemple, pas le sachet, mettez le bouillon et vous mettez 300 ml d'eau, ouais, 300 ml d'eau. Vous faites fondre ça, vous mettez dans une bouilloire, vous mélangez ou vous mettez directement dans la casserole, hein, vous effritez ça à la place du sachet d'épices, voilà, vous mettez comme ça et puis vous mettez l'eau, c'est également bien. Donc voilà, je suis trop contente, c'est hyper rapide. My God. Qu'est-ce que vous en pensez de ma petite recette ? Et vous voyez, comme j'étais pas bien, là maintenant je vais prendre un thé chaud avec ici mon miel d'Espagne là. Je vais prendre ça. Hop. Mmh. Ouais. Donc on a mis quoi, 50 minutes, voilà. Il est un peu piquant même. Légèrement, sans le chili. Hein. J'espère que les petits vont pas le sentir. Ma soirée, très bien. Franchement, on était là, à trois. Il y avait de la bonne musique, il y avait plein de gens qui fêtaient leur anniversaire, c'est incroyable. Et du coup, semaine d'après, c'est moi, pas ce week-end-ci, le week-end d'après, c'est moi qui fête mon anniversaire, donc restez connectés. Bah, y a Eden. Ils sont encore dans le fauteuil. Hein. La soirée, mais franchement, moi j'ai eu un coup de pompe à un moment. Désolée. Hein. J'ai eu un coup de pompe à un moment. Et. Un instant. Oh, j'en ai marre.
Je vais éteindre la télé. Allez, allez, on mange. Allez, vite. Un coup de pompe, et là, je me disais, oh non, non, non. En fait, on est arrivé, on a bu notre premier verre, tranquille. Vous savez, hein, puis début de soirée, comme ça, t'as tout le monde qui regarde tout le monde, t'as l'impression. Et on est là, tranquille, on danse un peu. Puis après, j'ai eu vraiment comme... allez, je sais pas si c'est la chaleur. Ouais, je pense que c'est la chaleur. Mais je me suis sentie flagada, quoi, crevée. Je me suis dit, oh non. Et puis après, ça a été. Donc, je me posais un peu sur un fauteuil. Parce qu'on est debout, hein, on était en talons et tout, quoi. Et alors, après ça a été, la musique était vraiment vibrante là, et je me suis réveillée. Et j'ai pas arrêté, et je vous jure, d'habitude j'ai jamais mal avec ces chaussures là avec lesquelles je suis sortie. Et je sais pas pourquoi, j'ai eu mal à ce moment là. Allez, bon, il était aussi, il était quelle heure? Il était 7h du matin, 7h30. Ouais, 7h30 et 7h30, ouais, juste 7h30, on est arrivé à minuit. À quelle heure je vous ai quitté? Minuit, hein. Ouais. C'était mes pieds. Même Steph, elle me disait, ah, zouche sur mes pieds, et moi non plus. En fait, si toute la soirée, tu restes debout, mais genre statique, il n'y a pas, c'est pas debout et tu bouges genre, partout. C'est genre, tu fais du sur place, quoi. En talon, t'as compris, hein? Eden, je vais éteindre Lilo et Stitch. Qu'est-ce que tu manges? Je mange comme vous? Mais je parle à mes copines. Mais 7h30, c'est l'heure d'aller au dodo. Ah ouais, 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 7h30 et on est resté dans sa voiture, je vous dis, hein, on s'est endormi dans sa voiture. Parce que c'est elle qui roulait, elle était pas top, moi j'avais pas envie de rouler, vraiment, j'étais crevée, j'ai attendu, ça me dérangeait même pas en fait. On était là en plus avec un ami, là, on parlait, et on s'est endormi tous les trois comme des feuilles. Vraiment. Elle est vraiment bon, mon chili. Alors, ouais, coup de fatigue. Hein. Ouais, ouais, bah quand tu vois les gens saouls, déjà, rien qu'en en pleine journée, déjà. Après, ça, c'est l'alcool aussi, c'est... ça ravage, hein. Mais... mon chili, j'ai hâte hein, qu'ils me disent maman ça pique, je l'attends. Bah, y a pas que des cocktails, hein, des boissons, des soft, Coca Light. Et Red Bull, en général, ça aide à tenir. Hein. Oh. Oh, ça fait trop du bien. Et ben même le côté piquant me fait du bien. Je vais préparer mon... monter. Ça va mes loulous? C'est bon? C'est chaud. C'est chaud. Et une chose qu'il faut savoir aussi, c'est qu'il faut habituer ses enfants quand même aux légumes et tout ça. Hein. Donc, parce qu'il y a plein de gens qui me disent, ouais, comment ça se fait, ils mangent tout et tout. Non. Regarde, elle déteste les champignons, mais j'essaie de...
de le couper d'une différente manière et tout pour qu'elle finisse par manger. Exemple, bah, la sauce tomate en fait, la bolognaise. Hyper mauvais de manger debout comme ça, vous savez. C'est hyper mauvais. Mais bon, je le fais pour vous. Le temps de répondre à vos questions. Merci pour vos réponses, les filles. Je suis maman. Est-ce que quelqu'un a déjà fait un chili con carne? Et si oui, est-ce qu'elle a une autre manière que moi? En vaisselle, vous avez juste ça en fait. Là, c'est... C'est vrai que j'aurais dû. J'avais envie de salade verte aujourd'hui, je sais pas pourquoi j'en ai pas acheté. Je n'ai pas pensé. Et si j'ai le temps, demain ou après-demain, j'essaierai de vous faire le plat. J'ai vraiment envie de profiter un peu. Bah franchement, la Miss, vas-y. La Miss est maman solo, elle a une garde exclusive. Essaye, si t'as des parents ou quelqu'un qui peut la tenir. Après, il y a l'option babysitting. Hein. Moi, c'est ce que j'ai eu quand il n'y avait personne. Ouais, Lilia. Mais le... Vraiment, c'est parce que je voulais garder mon maïs pour le thon. Si j'ai un lave-vaisselle, mais je suis un peu anti de lave-vaisselle. Donc ça consomme trop d'eau. Et que ça nettoie pas aussi bien qu'à la main. Je suis pas très boîte. J'aime bien aller me poser. Ou des fois être dans des apparts. Voilà, on fait beaucoup de soirées à part. T'as toujours des gens qui invitent des gens et tout. Et c'est vrai que ça revient moins cher. Si les boîtes, ça coûte, hein. Ah oui, elle aime bien quand ça pique, hein, Lily. J'espère que mon estomac ne va pas réagir avec ça. Voilà, franchement, j'ai kiffé. Ah ouais, la Belgique, en ce moment, je sais pas qu'est-ce qu'elle veut, hein. Ça pleut, ça pleut, ça pleut pas, ça pleut, ça pleut pas. Ça soleille, ça soleille. Vous avez hâte hein, de voir ma house tour, hein? T'aimes pas? T'as dit quoi? T'arrives pas? Pourquoi? De quoi? Arrête tes bêtises, t'as entendu ce que j'ai dit. Des cafouilles. Allez, vas-y, moi. Allez. Eden, je vais éteindre tout de suite la télé. Allez. Luc. Donc en ce moment, je consomme ça. J'alterne avec un autre. Et sachez une chose, je sais pas si vous saviez ça. Donc ça, je l'ai acheté à la Maison du Miel à Bruxelles. C'est un miel au thym. Et tout ce qui est encombrement et tout ça, c'est hyper bon pour ça. Donc moi, je prends ça avec une cuillère en bois. Vous voyez, je fais comme ça. Parce que en fait, les cuillères en métal, elles absorbent les propriétés de ce qu'il y a dans ton miel. Voilà, comme ça vous savez, il vient d'Espagne, ils en ont un de Grèce également, au thym je pense, ou de Belgique, je sais plus. Donc, et voilà, je le mets avant, comme ça, ça permet de... Oups. Voilà. Quand je suis pas bien, c'est ce que je fais, hein. Je mange pas trop. Je bois un maximum.
Et là, en ce moment, j'utilise du Collongène pour apaiser. Enfin, ça va, j'ai plus mal, hein, mais pour apaiser mon transit. Et j'essaie de boire un maximum pour me... Mais il n'y a rien à faire, on se sent mieux quand on mange moins. C'est trop bizarre. Je me sens beaucoup mieux, même le matin quand je me réveille, je sens mon ventre beaucoup plus plat, moins gonflé, moins ballonné. T'as moins de G à Z. C'est... Voilà. Ouais, ouais. Et donc, voilà, c'est ma petite, petite potion là. Je vous avoue que pour les petits, ça passe mieux des fois avec le riz. Là, maintenant, comme il est un peu piquant, je pense que c'est pour ça qu'Eden, il commence à ricaner, là. Et pourtant, c'est un grand mangeur. Hein. Hop. Voilà. Attendez, je vais peut-être vous monter un peu, hein, parce que... Hop. Voilà. Donc, je vais essayer de voir vos messages. Non, du miel au thym. T-H-I-M. Les filles ont fait une cagnotte pour son anniversaire. Siem. Trop mignon. Tu prends un petit dessert après quand même? Ouais, je pense que je vais prendre quelque chose. Je fais pas genre la live de la fausse mince. Hein. Comme ça, vous savez. J'ai pas vu le début, moi je rajoute un fond d'eau, je laisse un peu plus mijoter. Moi je rajoute un fond d'eau. Ouais, c'est vrai que j'ai loupé l'option bouillon. Mais comme j'ai l'habitude de le faire avec le bouillon et que là je me suis dit bah je vais mettre les épices, j'ai pas pensé à l'eau. J'ai pensé juste à ma sauce. Mais tu peux ou rajouter de la pulpe de tomate, du coulis de tomate, ou alors, enfin du jus de tomate, ou alors tu mets genre... Ouais, de l'eau et le bouillon, en fait. Ça dépend, c'est pour ça que je vous ai dit, il y a plusieurs variantes de chili, hein. Vraiment. Hé, hey, Menir, je peux retirer ta tutute? Allô? Voilà. Spider-Man! Oh my god! Mes yeux, j'ai l'impression qu'ils vont sortir de des orbites. Alors aujourd'hui, j'ai été chez un médecin, parce que c'est un médecin, enfin, c'est un nouveau médecin. Je lui ai raconté toute ma live et encore, j'avais l'impression que j'avais pas terminé, parce que jusqu'au dernier moment, je lui ai dit: ah ouais, oubliez pas, j'ai ça aussi. Bon, mon médecin, je vais lui demander qu'elle transfère tout. Mon ancien médecin. Et du coup, voilà, on va faire des analyses, on va voir ce qu'il y a. Mais moi, je comprends plus rien. Bon, après la mort de mon papa, on m'a dit. Combien de youtubeuses marocaines à Bruxelles? Pouf, je sais pas à vous dire, moi. Je sais vraiment pas à vous dire. Attention, les portions, Zina. Les portions de quoi? J'ai loupé des phrases, hein. Oh, merci Mia, moins 21%, t'es mignonne. Bah écoute, chez Paris XL, je voulais juste acheter un truc, c'est le fond de teint Morph. Et pour finir, bah non, il n'y a pas le fond de teint. Il n'y a pas le nouveau fond de teint, il n'y a pas le nouveau anti-cerne. Donc j'ai quand même une amie qui va aller en Amérique. Là, je crois que je vais lui demander, enfin, je vais faire la commande et je vais lui envoyer. Comme ça, elle me le ramène parce que t'as fait un test C avec la soirée. Là, vous avez les masques? Non, pas. Il n'y a pas de masque. Vous savez quoi? Je vais aller dans mon fauteuil. Comme ça, je peux rester un peu avec vous. Ou alors non, attendez. Je vous cache parce que sinon, vous allez voir où j'habite. Hop. Mes loulous, je veux que vous mangiez. Allez, je vais couper la télé. Hein. Je coupe la télé? Alors, vous mangez. Comme ça, j'aurai la surprise après du dessert. Ça va être une chouette surprise. Attendez, les gars. Je vous cache, hein, parce que j'ai pas envie que vous voyez chez moi. De kiff, mais j'espère allez. Ah, mais non, ils vont pas voir mes nénés. T'espères? Et s'ils vont voir mes nénés, ça va être quoi? Ils vont rigoler. Ils vont rigoler de moi.
Alors, Spider-Man. Ah ben non, c'est pas, il n'y a pas ici. On va aller sur le compte de Eden. On est sur le compte de Eden. Non, on est sur le compte de toi. T'as pas vu, c'est Vaiana. Voilà, regarde, Eden. Hein, mon bébé. Allez, mange, t'as même pas. Oh. Allez, tu manges tout de suite. Je vais éteindre la télé. Alors, tu manges. Moi, j'avais déjà mangé. Allez. Faut pas, c'est pas parce que je suis occupée qu'il faut tricher et faire des trucs dans mon dos. Et tantôt, on va parler... Allô? Tantôt, on va parler de ce que t'as fait hein, à l'école. Quoi? Tantôt, on va discuter. Eden. La lampe. La lampe. Le mensonge. Parce que le mensonge, ça se punit, le mensonge. Triplement, hein. Triple. Trois fois plus, hein. Trois fois plus. Maman, elle déteste les tricheurs et les menteurs. Tu sais ça? Tu m'as menti et on va en parler tantôt. Menti de quoi? De la torche, de la lampe torche. Tu m'as dit que madame, elle l'a confisquée? Non. Tu me mens. T'as dit que la lampe que Baya, elle t'a offert, madame me verra où elle te l'a confisquée? Ouais. Et c'est vrai ça? Non. J'ai demandé à madame aujourd'hui. Elle m'a dit non. Tu l'as donnée à qui? Non, juste vous la... Il y avait un bonbon dans le trou à l'intérieur. Il y avait un bonbon. Qu'est-ce que tu parles de bonbon alors qu'on parle de la torche? De la lampe torche que Baya a. La lampe, il y avait une bonbon à l'intérieur. Oui, et elle est où la lampe? Elle parle de la lumière, pas des bonbons. Oui, oui. Réfléchis bien. Réfléchis au mensonge que tu vas encore raconter. C'est maman, parce qu'à longtemps, on l'avait... Tu sais, Disney, je peux encore décommander, hein. Je peux annuler, hein, et aller que avec Baya, hein. Alors, mets-toi bien sur la chaise, mange, et tu vas me dire la vérité après, je te le dis, hein. Oh. Ah non, eh ben si, ça va être la vérité qui va sortir de ta bouche. Désolé, hein, les gars. Oui, non, va... Quoi? Va en bas. Va là-bas. Spider-Man? Oui, ça. Tu mérites ça? Ouais. Oui. Oui, oui. Tu mérites? Tu non. Si je mérite. Spider-Man. Ouais, Spider-Man. Ouais, ouais, Spider-Man, t'es excité, mais t'inquiète, dans 20-30 minutes, on retourne à la réalité. Hein. Allez, maman, elle arrive. Oh my god. Je suis désolée, hein, les gars, mais moi, je laisse rien passer sur le moment. Quand j'y pense, ça sort. Hein. Hop. Oh my god. Ah, oh, je vous jure, je suis au bout de ma vie. Bon, voilà. Désolée, vous avez assisté. C'est ça le réel. On va pas se mentir. Hein. Donc, hop, voilà. Oh, j'ai oublié mes mouchoirs. Ah non, ça va, j'ai mon paquet. Hop, attendez. Voilà. Regardez le mouchoir de mon papounet. Inciter tout le monde à utiliser des mouchoirs en tissu. Lui, il faisait ça depuis mon enfance. Il n'utilisait pas les mouchoirs en papier. Il utilisait toujours des mouchoirs en tissu. Eh ouais. Bon, désolé. Hein. Bon, alors. Je vais répondre à vos questions. Mia, franchement, j'ai comparé les bouteilles. Ce ne sont pas les originales et ils ne peuvent pas se permettre de vendre du faux. La mise, je suis aussi dans le même cas que toi. Épuisement total. Notimo. Alors, attendez, je vais revenir. Désolée, hein. Oh my god. Vous êtes mignonne pour la cagnotte. Siem, je suis d'accord sur Litchi. Vous êtes gentils. Oui, je suis aussi. Je suis OK aussi, les filles. Oui, oui. Sina, je sais. Vous êtes combien de youtubeuses marocaines? C'est vrai, ça a eu l'âte. C'est une bonne question parce que je sais qu'il y a... Allez, comment elle s'appelle? Leïla. Il y a Leïla. Est-ce qu'il y en a qui... Après, je sais qu'il y en a côté néerlandophone. Il y en a deux qui étaient dans la même ville que moi, au Maroc, à Kenitra, mais c'est côté néerlandophone, je crois qu'elles sont. Et celle qui est Noa au lieu des pâtes. Ulat, regarde Nocibé, il te donne beaucoup de choses offertes et les prix sont idem. Riskin,
Geluid. Il n'y a pas de son. Oh, la... C'est vrai, Estelle, je rêve d'une vie avec une garde partagée. Ce serait plus simple, autant pour ma fille que pour moi. Elle voit son papa uniquement quand je vais voir ma famille à l'autre bout de la France. Oi, oi, oi. Courage, la miss. Courage, vraiment. C'est que je sais que c'est une chance hein, que j'ai. Enfin, dans mon malheur, y a, on dit qu'il y a toujours un bonheur, mais franchement, dis-toi que voilà, il y a... Y a... Il y a des avantages et des inconvénients. Désolée, hein, si j'ai des glaires et que je... Enfin, voilà, c'est vraiment pas glamour, mais je suis obligée parce que je m'étouffe, en fait. Je dois reprendre mon puff. Non, aucune famille ici. Le papa est très loin et ne la prend jamais, donc je n'arrive pas à avoir une vie privée. C'est très compliqué. Pour souffler, ouais, courage vraiment. Oh là là, Ulat, t'as encore le Covid? Ben, il n'y a pas eu de test pour la soirée à faire. On n'a pas dû présenter notre passe sanitaire et pas de masque en soirée, rien quoi. Donc vraiment contente. Non, j'ai pas encore fait mon deuil. Non, non, vraiment pas. En tout cas, ce que je suis contente de ma journée, c'est que, purée, j'ai eu un, une autorisation. Enfin, en fait, ce qu'il y a, c'est que, bon, j'ai demandé au médecin de voir tous mes tests et tout ça et tout ça. Et est-ce que je suis plus souvent malade maintenant à cause du fait que j'ai fait le vaccin? Donc, on va réévaluer après Disney. Mais en tout cas, là, maintenant, on a fait des analyses. Et il m'a donné une autorisation, enfin, une contre-indication, enfin, un papier qui prouve comme quoi il ne faut pas que je me fasse vacciner là maintenant, quoi. Il ne faut pas que j'ai, que je, que j'ai la, la deuxième dose. Donc, voilà, je suis hyper contente. Non, le début que tu es malade, toi. Non, là, depuis que tu es malade. Non, là, depuis que tu es malade. Lui, c'est dur. Moi, elle ne l'a pas vu pendant 2 ans. Donc, H24, 7 jours sur 7... Comme tu dis, maintenant, elle va avoir 12 ans, comme je compte bien reprendre du temps pour moi, parce que si je continue, je vais vriller. Ça veut dire quoi, vriller, la miss? Depuis que tu es célib de ton côté féminin, a explosé, ça te va très bien. Merci, Fatih. Bah, en fait, c'est parce que pourquoi il a explosé? Parce que j'ai le temps de m'occuper de moi. Avant, je n'avais pas le temps. Toutes mes heures, je l'ai passé. Attendez. Hein. Après, c'est ma faute, franchement. Hey, voilà, ah, voilà. C'est ma faute. Désolée, hein, ma tête de lit, je dois la refaire. Je vous l'ai dit. Ah ouais, putain les plombs. Non, franchement, moi, c'est de ma faute. En fait, c'est que j'aurais dû dire stop et dire que non, c'est. Je dois penser à moi et penser à moi et faire des choses pour moi. Mais c'est ça qui. Attendez, il y a mon ma fenêtre qui est ouverte. Je me disais, mais il gèle dans ma chambre. Et mon chauffage, en plus, il est allumé, la blague. Alors, attendez. Et vous inquiétez pas, mes enfants sont en tout... Aucun problème, hein. Parce que, bon... Oh, je suis complètement encombrée, quoi. C'est horrible. Vraiment, j'en peux plus, quoi, d'être pas bien. Aujourd'hui, ça va être ça. Ce soir, je vais mettre les petits. J'ai été les chercher très tôt. Femme épanouie, maman efficace. Ouais, ouais, franchement. Et ménage, enfin ménage, je parle de maison, ménage heureux. Maman heureux, ménage heureux. Franchement. J'ai pas vu la dernière question. Oh, purée. Les modes de gars, c'est cher. Les modes de garde, c'est cher. Ouais, franchement, ça, je trouve que pour les parents solo... Il devrait y avoir des avantages. Tu habites où, la miss? Femme épanouie, maman efficace. La miss, parfois, il faut trouver un modèle de garde et prendre du temps. Ouais, franchement. Moi, je dis, même si c'est une étudiante, t'as pas trop confiance au début, bien sûr. Hein, mais quelqu'un de connu dans la famille, que tu sais que, voilà, elle va pas... Enfin, il n'y a pas de souci, quoi. Quelqu'un qui est très attaché, peut-être, aussi à tes enfants.
D'abord, il faut refaire toujours attention. Hein. Moi, j'ai quelqu'un de génial, mais par contre, financièrement, voilà quoi, ça. Elle augmentait ses prix, pour moi, c'était plus possible. C'était quelqu'un de hyper gentil, mais. Et voilà, moi, je reste quand même méfiante parce que j'ai eu trop de coups, quoi. Pour moi. Moi, pour les faire garder une nuit juste pour qu'elles dorment toute la nuit, une surveillance, c'est 110 balles. Pouah. 110 balles, t'habites où? Je sais qu'il y a des applications, hein. Mais moi, tout ça, enfin, je veux dire, je voulais tester pour vous en parler également. Mais moi, je vais jamais faire rentrer quelqu'un que je connais pas chez moi à la maison. Impossible. Impossible. Bretagne. Moi, pour les faire garder une nuit juste pour qu'elles dorment toute la nuit, une surveillance, c'est 110 euros. Dans les Yvelines, 78. Une halte garderie, c'est en fonction de tes revenus. Mais maintenant, ça me fait penser. C'est vrai que ça pourrait m'aider en complément. Lorsque j'ai pas mes enfants, les soirs, par exemple, pour les parents, et moi, je suis là avec mon PC quand eux dorment. Vous voyez ? C'est vrai que ça peut être une alternative en complément, hein, je parle. Ça vient de me tilter, parce que j'adore les enfants. Une halte garderie, c'est en fonction de tes revenus pour la journée, mais le soir, c'est pas facile. Ah oui, le soir, ça, c'est autre chose. Hein. Bah, elle me disait, on va voir tes seins, mais ça va vraiment finir par l'être. €110 la nuit. Mais ça veut dire qu'elle reste combien de temps, en fait, Estelle? Ah ouais, la Miss, je suis complètement d'accord. T'as subi des attouchements quand t'étais petite, donc t'es complètement en contre. Ouais, je peux complètement comprendre. Mais en tout cas, par rapport aux femmes qui sentent qu'elles vont péter un plomb, maman solo ou pas, franchement, faites pas cette faute. Moi, je regrette de pas avoir pris... plus de temps pour moi. Je pense que voilà, je kiffais tellement ma vie de famille et c'est vrai que c'est toujours un risque, hein, dehors, c'est évident, surtout dans le monde dans lequel on vit aujourd'hui, quand tu regardes dans les deux sens, hein, y a beaucoup de tentations, tu vois, les gens, enfin voilà, c'est après chacun sait ce qu'il veut, ok. Mais, enfin voilà, je vois très bien mes potes ou certaines filles ou certains garçons, comment ça fonctionne. Et puis je me dis, non, moi, c'est pas quelque chose que... Enfin, en tout cas, mon Dieu, s'il vous plaît, que lorsque j'aurai une vie à nouveau de couple, je garderai cette envie d'aller voir mes copines, sortir avec mes copines et tout. J'espère que le partenaire, en fait, n'aura pas ce manque de... Allez, comment vous expliquer? La tromperie, moi, me fait peur. La tromperie me fait peur. J'ai pas envie, le jour où je me mettrai avec quelqu'un, d'être... Vous voyez, genre de m'interdire parce que de peur que la personne fera quelque chose ou des trucs comme ça, ça, je veux pas. C'est une chose que je ferai pas. Je continuerai ma vie que j'ai maintenant. Et voilà, si ça arrivera, ça arrivera. Et la personne paiera les pots cassés. Voilà, je me remettrai plus avec cette personne. Mais je pense que c'est quelque chose qui me fera toujours peur parce que quand tu regardes dehors comment c'est une catastrophe. Et c'est pour ça, je pense que j'ai pas voulu... Enfin, en même temps, je kiffais vraiment les moments que je passais en famille, avec mon ex-mari et tout. J'ai été habituée depuis jeune, comme ça, on partageait tout ensemble et tout. Et du coup, après... je partageais des moments avec mes copines, mais il y avait toujours mon mari avec ou quelque chose. Enfin, il était souvent là, hein, quand on faisait quelque chose. Et du coup, je pense qu'on l'a fait deux fois. Ouais, une fois que j'ai accouché, je suis sortie pour les 50 nuances degrés parce que c'était un moment entre filles. Et puis après, on est ressorti. On a bu un verre au centre-ville avec. C'était pour l'anniversaire d'une de mes meilleures amies. Mais sinon, je ne me rappelle pas vraiment avoir fait de grandes sorties avec mes potes. On est parti ouais, à Amsterdam pour l'enterrement de vie de jeune fille de... Non, ouais, c'était pour l'enterrement de vie de jeune fille d'une amie proche aussi. Mais sinon, on a dormi à Amsterdam et encore, j'étais enceinte de Baya, je crois. Ou de Eden. C'est de Baya ou Eden, je ne sais plus.
Ah bah non, de Eden, puisque moi j'étais enceinte. Maya, elle était avec nous à son mariage, ouais. Mais pour vous dire, hyper important de penser à soi et de sortir, de se dire que... Parce qu'on peut se dire, ouais, on n'en a pas besoin. Moi, j'en avais pas spécialement besoin. C'est vrai que c'était chouette, mais j'étais contente quand je revenais de mes soirées comme ça entre copines, qui duraient pas très tard, hein. C'était jamais les boîtes. Pourtant, elles sortaient beaucoup en boîte, mes potes. Mais moi, une fois que je... Enfin, voilà, on allait faire un resto. Moi, j'étais là pour le resto, mais pour la boîte, ça m'intéressait pas. Et je rentrais... Et je vous jure, j'étais trop contente de rentrer et de retrouver mes bébés, quoi. Ouais, j'étais contente et je me disais, mais ça m'apporte un chouette moment avec mes copines. Mais si j'aurais continué en boîte, je sais pas, c'est un autre monde. Je dis, après minuit, les loots sont sortis. Et c'est vraiment ça. Vraiment. Moi, je vais pas vous mentir. Faut faire attention. Si vous, vous êtes sûr de votre couple et que vous êtes sûr de vous-même et tout, n'allez pas dans ces endroits... Enfin voilà, ça peut réveiller des démons, t'en sais rien en fait, t'en sais rien, et surtout si les gens consomment de l'alcool et tout, ça peut partir en vrille, donc voilà, protégez-vous quand même, et voyez, hein, après chacun connaît ses limites, et faut jamais s'oublier, Claire, je pense vraiment que je vais me faire violence, mais prendre enfin ma vie en main, car la vie passe et je ne suis pas épanouie. La mise franchement, ouais. Après, vous entendez comment je respire, c'est fou. Je vais mettre mon petit diffuseur là avec de l'huile essentielle de lavande ou d'eucalyptus. Et je vais me faire une petite musique détente. J'ai des bougies là, je vais mettre mon chauffage à fond. Oh. Ouais, il faut vraiment pas s'oublier, j'ai tout fait pour mes enfants. Il faut lire, j'ai tout fait pour mes enfants. Ouais, ouais. Ah ouais, non, il y en a beaucoup, hein. Oui, c'est un traumatisme. Moi aussi, j'aimerais kiffer ma vie. À l'heure d'aujourd'hui, je m'en veux d'avoir eu des enfants dans cette circonstance. Oh, je suis peinée quand je vous lis, je vous jure, je suis peinée. Moi, j'ai qu'un seul enfant et depuis, ma vie de couple laisse tomber. Mon fils dort mal, il a commencé à faire ses nuits que vers 2 ans, horrible. Même quand t'es fatiguée, t'as juste envie de dormir. Non, mais après, Siem, franchement, dis-toi que tu as la chance d'avoir un enfant. Il faut prendre conscience aussi des choses, des belles choses qui ne sont arrivées. Comment vous dire un exemple? Voilà, par exemple, là, tes enfants font passer nuit, tu pètes un câble. Moi, par exemple, c'est le côté financier qui me fait péter un câble en ce moment. Mais je suis reconnaissante envers Dieu et je me dis que il y a toujours pire. On a toujours l'habitude de regarder ceux qui sont au-dessus de nous, ceux qui sont dans le sens au-dessus de nous. Vous avez compris, hein, qui ont plus que nous. On a l'habitude de comparer. C'est des choses que moi, je ne fais pas. Et qui me permettent de rester heureuse avec moi-même, d'être fière de moi, de ne pas éprouver de jalousie pour les autres. Vraiment, il ne faut jamais comparer. Il faut se dire que voilà, Dieu vous a réservé ça, que ce que vous pouvez faire, vous, seul ou accompagné d'un de vos compagnes, enfin votre compagnon, pardon, qu'est-ce que vous pouvez faire pour évoluer et aller dans la direction de votre objectif de vie et de... Voilà. Je pense que tu es plus heureuse déjà là. Après, c'est vrai que quand tu es crevée, par exemple, je me rappelle, moi, lorsque j'avais l'allaitement qui m'épuisait, un enfant après l'autre, moi j'ai eu 2 enfants, enfin l'un après l'autre, hein. J'ai eu Baya, puis j'ai eu Eden, puis j'ai eu mon histoire là qui m'a tuée. Je me rappelle rien que quand il était encore là, quand j'étais épuisée, le fait de dormir, on s'en rend pas compte, hein, je vous jure, mais moralement, psychologiquement, si tu as un bon sommeil, je vous jure que lorsque vous dormez bien, eh ben, après ça va mieux. Le moral, il est moins fébrile. Vous êtes moins sensible à fleur de peau. Et je sais pas si vous avez déjà constaté ça, après avoir, par exemple, fait une bonne sieste, même 1 heure, quand tu as l'habitude d'allaiter, au début, quand ton bébé est né, là. Et quand tu fais genre une sieste de 1 heure et tu te réveilles, tu te dis, oh, ça fait du bien. Parce que tu as tellement trimé, que quand tu as eu cette heure-là, ça t'a requinqué comme si tu avais fait une nuit entière. Eh ben moi, je me rappelle ce que je faisais avec mon ex-mari. C'est que lui, donc il était en congé de paternité.
La vérité, le sommeil après 2 ans, c'est plus la même, elle sort. Alors, on est en train de mélanger tout, hein, mais j'essaie de vous dire ce qui a fonctionné pour moi. Et j'ai pris conscience vraiment que le sommeil comptait beaucoup. Baya ? Baya ? Ça va, mon cœur ? Tout se passe bien ? Eden aussi ? Ok, top. Oui. Souvent, les hommes quittent après leur deuxième enfant. Ah bah, qu'ils vont se faire foutre. Moi, je dis. Qu'ils vont se faire foutre. Et c'est comme ça. Ils ont décidé ça. Pour eux, si c'est mieux de partir, c'est mieux de partir. J'espère pour eux qu'ils sont bien plus heureux qu'ils ne l'étaient avec vous ou avec... Enfin, voilà, moi, dans mon cas, j'espère vraiment qu'aujourd'hui... Franchement, hein, je le pense vraiment. J'espère que tout ce que ça a coûté dans nos vies, tout ce que ça a chamboulé, j'espère vraiment que ça a valé le coup. Parce que si ça n'en valait pas la peine, eh ben bordel, qu'est-ce que c'est triste. Vraiment. Et je parle de mon cas ou le cas de tout le monde, en fait. Je veux dire, chacun a fait des erreurs, mais lui, il en avait déjà faites. Donc, je veux dire, après, voilà, si t'as pas appris ta leçon, enfin, voilà, quoi. Il n'y a pas... C'est comme ça. Mais donc, je disais, par rapport au fait de... Purée, c'était une recette de chili con carne. On est à 97 minutes. Au final, ça se finit en live. Hein. Du jeudi soir. Donc, ce que je disais, c'est que lorsque tu dors, donc c'est hyper requinquant, tu es là. Lui, je me rappelle, il jouait à la PlayStation le soir. Moi, je dormais. Il surveillait le petit. Les petits, enfin, quand je dormais. Et une fois qu'il y en avait un qui voulait allaiter et que j'avais l'énergie d'allaiter, j'allaitais. Sinon, il y avait du biberon que j'avais tiré. C'est ça qui est trop bien sur tes lives. Merci. Merci beaucoup. Et du coup, vraiment, j'étais requinquée. Et même niveau qualité et quantité, putain, je me réveillais avec des seins, mais jusqu'au ciel. Je me rappellerai toujours. J'étais dans ce lit en plus. J'avais des seins énormes, durs comme de la pierre quand je me levais. Il y avait du lait qui coulait, ça coulait. Et ça, c'est parce que tu manges bien, tu dors bien, tu te reposes bien, t'es peace and love, t'es heureuse. Moi, je vivais. Franchement, moi, c'est ce que j'avais dit en plus à tout le monde, mes amis, à tout le monde. Au moment où j'étais enceinte de Baya, je rentrais dans un nouveau monde, comme ça, j'avais l'impression. Mais je me sentais déjà hyper puissante, parce que voilà, tu portes un bébé et tu te dis, mais bordel, ton corps fabrique un être humain. On est habitué à ça, mais vous vous rendez compte? Donc, deux personnes qui s'aiment peuvent s'unir, c'est tellement beau, hein, peuvent s'unir et fabriquer, enfin... Ouais, fabriquer un enfant, une personne qui est la moitié de chacun d'eux. C'est tellement beau. Et donc, voilà, tu fais tes enfants. Pourquoi je disais ça? Pourquoi je voulais dire ça, bordel? Enfin, rien que ça, déjà, on doit être reconnaissant. Et malheureusement, ouais, il y a des personnes qui sont pas reconnaissantes, ça, qui passent à côté, et qui veulent vivre d'autres choses et faire d'autres choses. Je pense que quand tu te rends compte de la chance que tu as, tu fais plus attention et tu as plus... C'est comme un œuf, tu as l'impression de... Ouais, c'est magique et tu as l'impression que c'est tellement beau et ouais, c'est une chance d'avoir un enfant que moi, pour moi, tu es obligé de tout faire pour qu'ils vont bien, de les protéger toute leur vie, de leur donner le meilleur tremplin pour vivre leur meilleure vie par la suite. Un peu l'exemple que mon papa a fait, en fait, et ma maman, hein, pour nous.
Et je pense qu'il faut beaucoup de patience. Moi, je me rappellerai toujours, j'avais demandé à mon père une fois, et à ma mère aussi, mais c'est mon père qui m'avait répondu. J'ai dit, c'est quoi le secret d'un couple qui dure toute une vie? Et mon papa m'avait dit, la patience, c'est le numéro un. Patience, c'est numéro un. La patience, c'est la vie de maman, ça finit par passer. À l'âge de 2 ans, ma fille a eu une tumeur et ma vie s'est arrêtée. J'ai surmonté cette épreuve et ma fille aussi. Top, Siam. Et ça va, tout va bien. Ouais, je me sentais puissante et c'est ce que je disais. En fait, je disais à mes potes et tout. Mais vous vous rendez pas compte, je vis ma plus belle vie là maintenant. Quand j'étais enceinte de Baya et que je me suis mariée, je me sentais puissante même le jour de mon mariage. J'étais contente d'aller comme si j'allais en soirée en fait. J'étais pas stressée comme une femme mariée qui allait se marier. J'étais heureuse, heureuse. Et je me rappelle, j'avais pleuré à un moment. Enfin, c'était au moment où on a dansé dans le restaurant, moi et mon ex-mari. J'avais pleuré et tout. Et puis après, tout ce qui s'est enchaîné, ma lune de miel, préparation de l'accueil du premier bébé, puis bam, surprise, enfin, l'accouchement. Hein, vous avez vu comment, bam, ça a explosé. Et du coup, bah, j'ai pas dit qu'il l'était, mais c'est, voilà, c'est le après qui m'a vraiment... En fait, je suis montée, c'est comme si j'avais fait une montagne russe. Je suis montée, comme ça, niveau sensation et émotion. Et puis, pouf, je suis tombée en chute libre. Mais bon, voilà. Et franchement, moi, je pense que ça, c'est le pire. C'est quand tu... Après, tu redoutes de tout. Tu te dis, mais est-ce que c'était vrai? Est-ce que c'était... C'est ça qui a été le plus triste pour moi. Vraiment. C'est est-ce que tout ça était réel ou est-ce que c'était que j'étais seule dans ce monde, en fait. C'est ça qui est triste. Mais enfin. Et donc, j'ai vécu ma plus best life. Et donc, j'avais pas ce besoin de sortir. Et c'était, pour moi, c'était ridicule. C'était pas mes besoins du moment. Et là maintenant, est-ce que c'est le fait que je sois célibataire, que je suis plus ouverte à la rencontre, que je suis peut-être dans la recherche, dans l'inconscient, je suis peut-être dans la recherche de rencontrer quelqu'un, de rencontrer peut-être du monde, pourtant des amis j'en ai assez, mais je kiffe ça, franchement je kiffe ça. Vous avez la garde partagée, oui, on a la garde partagée. Et je kiffe autant ma semaine. Au début, non. Parce qu'en fait, ce qu'il y a quand je les avais, j'étais contente de les avoir, mais je me sentais encore fort angoissée, comme ça, un peu. C'est bizarre. Pas peur de pas gérer, mais je sentais que j'allais mal. Et du coup, je sentais fort cette peur qu'il leur arrive quelque chose parce que mon mental n'était pas... Il n'était pas focus à 100%. Exemple, j'étais tête en l'air, j'étais perdue dans ma tête, vraiment. J'étais perdue, complètement perdue, j'étais à l'ouest. Et du coup, j'avais peur qu'il arrive quelque chose à mes enfants. Pour conclure, j'ai compris qu'il faut être dans la vie. Et je ne me projette plus. Non, ouais, en fait, aujourd'hui, il faut plus se projeter. Assurer un avenir pour ses enfants, leur apprendre ce qu'il faut, les armes qu'il faut pour pouvoir vivre une bonne vie. Mais je pense qu'aujourd'hui, tu peux plus... Tu peux plus te projeter, je pense. Ça, c'est mon avis personnel. Hein, mais... Estelle, merci pour ta participation. Ah, bah si tu veux, si tu es de Bruxelles, il t'est offert. Mon petit Tupperware, si tu veux, tu peux venir le chercher. Si elle aime tout à fait l'instant présent... Ouais, pour ne rien rater et pour ne pas avoir, en fait, j'ai l'impression que si tu te mets des objectifs et tout ça, oui, tu atteins tes objectifs, tant mieux. Mais par exemple, quand ça dépend que de toi, voilà, tu te mets des objectifs, tu les atteins, t'es fière de toi et t'es hyper heureuse. Mais par contre, si ça en dépend de quelqu'un d'autre, ça peut se casser la gueule et puis voilà, faut se jeter, faut tester.
Qu'est-ce que vous voulez que je vous dise? Moi, ça a fonctionné, par exemple, ici, regardez, mon papa, bah, il a gardé sa femme jusqu'à la fin de sa vie. Et donc, son conseil, ça a été ça, c'était la patience, regarder dans la même direction et le respect. Le respect. Le respect, c'est hyper important. Et le respect englobe plusieurs mots. Hein. Vraiment. Bonne soirée, Estelle. Bonne cuisine à toi. On pense toujours à demain et on oublie de profiter du présent. Mais ouais, c'est ça, en fait. Je t'écoute en cuisinant ma soupe pour ce soir et ma gamelle pour demain. Un vrai bonheur. Merci, Myriam. Ah ouais, Estelle, t'es de Paris. Ouais, moi, je pense qu'aujourd'hui, il faut vivre comme ça, en fait. Ouais, je suis d'accord avec toi, Salif, mais voilà, en même temps, pas d'accord parce que je me dis non. Je veux dire, même si tu connais ton premier amour et que tu peux te préserver toute ta vie, moi, j'aurais pu, vraiment. J'aurais pu me préserver bah, jusqu'à la fin. Mais je suis quelqu'un de tellement fidèle que, enfin voilà, moi, on me doit ma fidélité, je vais pas être fidèle et qu'on me le soit pas, quoi. Un peu. Voilà, quoi. Après, je sais qu'il y a des femmes qui acceptent parce qu'elles connaissent un peu le profil de leur homme et elles se disent, moi, je pourrais pas le perdre et voilà, il y a d'autres choses derrière, peut-être. Même moi, partager quelqu'un que j'aime, mais jamais de la life. Retournez-leur la question un peu. Retournez-leur. Je veux dire, on a le même cœur. Hein. On n'est pas des humains ou des races différentes. OK. Moi, je dis c'est trop facile. On a été conditionnés à penser comme ça parce qu'eux pensent comme ça. Hop, pardon. Hop. Bye, Aiden. Ça a bugué, désolé. Oh my God, s'il vous plaît, mon Dieu. Pèse-moi. Oh my God. Bon, je me mets comme ça, hein. Voilà, comme ça je réponds à vos questions. Eden, t'as mangé? Eden? Eden? Oh my God. Oh. Donc, ce que je disais, ouais, la patience, le respect, et puis après, ben voilà, mais le monde dans lequel on vit aujourd'hui, c'est différent, hein. C'est différent. Et puis, courage à tous ses parents, tous les parents solos. Il y en a de plus en plus. Moi, je vous jure, quand je regarde tous les couples autour de moi qui sont en train de se briser, c'est un truc de fou. Je me dis, mais en fait, on va finir par... Il va finir... Limite, sur un groupe d'amis, bah, il ne reste plus qu'un couple. Et genre, tout le reste, bah, tout le monde est redevenu célibataire alors que c'était des couples qui ont duré longtemps. C'est fou quand même. C'est fou. Et moi, ça me fait peur. Je me dis, mais mes pauvres enfants. Enfin, voilà, en tout cas, se projeter, de se dire une vie avec un seul amour, j'y croyais vraiment, mais mon expérience m'a prouvé le contraire. C'est pas possible. Après, peut-être que voilà, je suis tombée pas sur la bonne personne et que... Mais je pense que même quand je regarde autour de moi, c'est un peu pareil. Donc, j'aimerais trop ta mentalité. Tu es une belle personne, machala. Merci. Ouais, jamais être dans l'attente. Sinon, on est déçu d'une façon ou d'une autre. Oui, les femmes peuvent. Moi, c'est mon cas. J'ai connu que mon mari. Oui, Salif, moi aussi, ça a été mon cas. Hein. Et on ne choisit pas les... personne, la même personne à 15 ans et à 30 ans, Claire. Ah ouais, mais à vivre à Charleroi, jamais de la vie, c'est trop loin. Les amours de jeunesse, je pense que les filles peuvent se préserver. Les amours de jeunesse, je pense que les filles peuvent se préserver, mais les hommes, c'est impossible qu'ils se contentent de rester fidèles à une seule femme. On pense toujours à demain et on oublie de profiter du présent. Ouais.
Vaut mieux se séparer tant que t'es jeune et belle. Ah ouais. Oui, Claire. Attendez, si j'avais divorcé à 45, si je divorce à 45. Oh, mais non. En fait, moi, hein, franchement, après, je sais pas. Peut-être les hommes, ils regardent vraiment ça. Mais moi, j'ai l'impression qu'au plus, au plus je vieillis, au plus je me bonifie. Je sais pas si c'est par rapport à l'abdominaux. Mais je vous jure, dans mon mental, je me sens indétrônable là maintenant. J'en ai rien à foutre en fait. S'il y a un gars à qui je plais, bah tant mieux. Et si bah, je lui plais pas, bah. En fait, je me dis, j'ai pas cette peur de me retrouver seule en fait. Vous voyez ce que je veux dire? Je sais que je plais. Je sais que je plais, je sais que j'ai du choix. Mais je veux vraiment, en fait, vous voyez, en fait, la faute, je pense que de beaucoup de personnes, c'est vrai que tu deviens de plus en plus belle, merci. Problème de beaucoup de personnes, c'est qu'une fois qu'ils sont en couple, enfin, ils sont en couple toute leur vie, comme ça, et puis ils se séparent, et automatiquement, ils ont besoin de se retrouver avec quelqu'un, d'être avec quelqu'un pour combler, ou même limite, même avant de se séparer, ils préfèrent avoir quelqu'un sur le côté pour pouvoir bah, ne pas souffrir, pas penser et pas se retrouver seul. C'est qui me fait peur ici? Oh, tu m'as fait peur, mon amour. Tu viens de dire coucou à mes copines? Ben oui, tu t'affirmes et tu fais jeune, Zina Vanstor. Merci, ouais, les gars. Semaine prochaine. C'est carnaval. Non, demain, c'est carnaval. Oui. Et dans une semaine et quelques, maman, elle va fêter son... anniversaire. Avec mes... amis. Regardez, Poupinette. Et donc, viens ici, viens faire un câlin. Maya, Maya, maman, tu vas me faire mal. Viens, Habiba, non. Viens, câlin, câlin. Coucou, Maya, regarde, ils ont marqué coucou, Maya. Où c'est écrit, Maya? Là, regarde. Regarde. Et donc, viens, mets-toi dans le lit avec moi. Viens, allez. Non, Kiki, allez, couche-toi, couche-toi, couche-toi. Mets-toi dedans. Parce que j'aime pas le froid qui rentre. Allez. Je peux regarder Maya. Bon, non, attention. Hein. Tu peux fermer la porte? Ferme la lumière. Faut pas laisser les lumières allumées, Maya. Et tes pantoufles. Qu'est-ce qu'il fait? Maya! Il fait des bêtises? Et donc, qu'est-ce que je disais? Je disais quoi, les gars? Je sais plus. Qu'est-ce que je disais, les gars? C'est bien. Toi, tu cuisines tôt. C'est clair. T'as une bonne mentalité. T'es accompli. Là, en vrai, t'as pas besoin d'homme. C'est bien. Toi, tu cuisines tôt. C'est clair. T'as une bonne mentalité. T'es accompli. Là, en vrai, t'as vraiment... t'as pas besoin d'un homme, mais c'est vrai qu'avoir un homme respectueux et droit aussi, c'est mieux. Ah ouais, non, Claire, ta fille, c'est le portrait de ton mari, comme beaucoup de premiers enfants, la mienne aussi. Allume les bougies. Pourquoi allume les bougies? Oh, ça bug des fois. Hein. Et vous voyez le sachet, là, je l'utilise deux fois. Hein. Là, je suis en train de le terminer, ce thé. Et après, ce que je vais faire, je vais vous en parler dans une vidéo. Toutes les choses que j'arrête d'acheter. C'est un sujet de vidéo que je vais vous faire. C'est tout ce que j'ai décidé de ne plus acheter et d'acheter en lavable ou enfin des trucs recyclables, quoi. Non, les lumières du couloir et tout. Parce que, bon, eux, chaque pièce qui traverse, ils allument, ils tapent, ils tapent, ils tapent. Je veux dire... Ah, moi, je vais mettre ma couverture chauffante dans mon lit ce soir. Je vais mettre mes huiles dans le diffuseur. Je vais allumer mes bougies. Ah ouais, là, ça va être soirée. Parce qu'en fait, le problème avec les lives, quand je les commence à 21h, on n'a pas fini tôt, quoi. En général, ça dure minimum 2h. Donc, ça veut dire 11h. Et puis après, je suis au lit. Et puis le matin, je me réveille tôt avec les petits. Enfin voilà, j'ai une longue journée aussi demain. Puis après, il y a le week-end. Donc vraiment, demain, je dois me recharger. Enfin, cette nuit. Et essayer d'être bien demain pour faire toutes les paperasses que je dois faire.
Moi, je trouve que tu deviens de plus en plus belle et Baya te ressemble incroyable. Machallah, merci beaucoup, Mia. Mais écoutez, moi, en fait, ouais, quand je dis que. Bah, après, j'ai plus de temps pour moi, c'est ce que je disais au début. Avant, j'avais pas vraiment le temps et j'étais dévouée à mes enfants et à mon ex-mari. Zina, c'est la Chloé Kardashian de Belgique. Oh, j'aime bien la comparaison. Parce qu'elle se rapproche vraiment de mon caractère. Baya? Bravo à toutes les mamans. Qu'est-ce qui s'est passé? Hein? Je vous ai dit, Baya, c'est mon coach. Enfin, c'est mon coach. C'est mon bras droit. Je ne sais plus ce que je disais. Enfin, ça va dans tous les sens, ce live. Désolée. De toute façon, j'ai tellement à faire, je vous jure. Alors, ah ouais, j'avais envie de vous parler de quelque chose. On va le parler dans le live. Ça sera en mode discret parce que voilà, c'est dans le live et c'est un peu étouffé, on va dire, par le titre de cette vidéo qui est Chili con carne, ma recette. J'ai mon meilleur ami qui m'a proposé, écoutez bien, j'en ai parlé juste à Baya, elle m'a tiré un peu la tête. Est-ce que je le dis maintenant ou pas? Ouais, je vais le dire. Alors, en fait, je suis en train d'organiser et voir ce que je vais faire pour mon anniversaire. Ouais, elle est trop gentille, Baya, avec son frère. Et donc, en fait, mon meilleur ami m'appelle l'autre jour et il me dit, Zou, t'imagines même pas quel email j'ai reçu. Je dis, comment? Qu'est-ce que t'as reçu encore comme mail? Il me dit, Disney m'a contacté. Je dis, c'est une blague. Donc, je vous explique, mon meilleur ami est agent de voyage. Donc, moi, j'ai réservé en novembre. Je lui en ai parlé en novembre parce que je lui ai dit, le jour où je vais à Disney avec mes deux petits, j'aimerais bien que tu viennes avec pour avoir aussi deux yeux en plus. Et en même temps, pour partager un moment avec mes enfants et mon meilleur ami parce qu'on n'a jamais fait quelque chose. Si, je mens. On est parti une fois à la mer ensemble, mais c'est genre aller-retour. On a pris le train, on est parti une journée à la mer. On a rejoint nos amis là-bas et puis on est revenu. Et donc là, je lui ai dit, pour Disney, en plus, je sais que lui, il a des avantages en tant qu'agent de voyage. Oui. Passer dans mon cou? Et je dois croire qui? C'est qui a commencé en premier? Est-ce que je sors la caméra cachée? J'ai filmé avec une caméra cachée maintenant et je vais voir c'est qui ment. Et c'est qui a tapé en premier? Alors je vais regarder dans la caméra cachée. C'est toi qui as menti. C'est toi qui as menti, c'est elle. Viens me faire un bisou. Eh ben, j'aurais cru que c'était toi qui avais menti. Ben là, elle Alors, commence à prends-moi mentir. la caméra une fois. Je vais prendre la caméra. Ouais. Prends une fois. Prends une fois. Ouais. La caméra cachée, je vais toujours la cacher. Elle est cachée quelque part que vous allez jamais trouver. Ça, c'est vrai. Tu sais où elle est? Elle est où? Va chercher, hein, va chercher. Tu pourras toujours chercher. Donne-moi un bisou. Donne-moi, je vous ai dit, c'est les astuces à la zoo, ça. Viens me faire un bisou. Viens, maman. Mais tu vas te casser la tête, malin Jacques. Kiff ma cuche. Allez. Mahaj. Allez, tu viens dire bonjour aux amis. Maman, elle n'est pas bien aujourd'hui, ok? Donc, on fait attention à elle. Moi, je fais toujours attention à vous. Alors, tu vas faire attention à moi aujourd'hui. Et tu vas faire un gentil garçon, hein? Ok? Allez. Tu veux chercher un livre? Après, on va lire un livre avec Baya. Excellent. Ouais, prenez des notes. Je vous jure, mes lives, vous allez les kiffer. Hein? C'est qui la plus chouette maman du monde? Zoubida. Eh, Willy! C'est qui Zoubida? Maman. Maman quoi? Maman Zoubida. Maman Zoubida? Maman Zoubida? Attends, non, je vais pas te dire la suite parce que sinon ils vont trouver quelque chose. On peut pas tout dire, hein? Hein? On peut pas tout dire, hein? On peut tout dire! Mon amour. Mon amour. Allez. Allez, va faire un câlin à ta soeur, tu lui dis que je vais lui parler. Aujourd'hui, je vais vous parler du mensonge. Allez. Avancez, Quoi allez. Le le mensonge, mentir, mentir, c'est un mensonge, le mensonge.
C'est le mensonge, le mensonge. C'est quoi le mensonge? C'est quand on ment. Et maman, elle déteste les menteurs. Hein. Ça, c'est le pire que tu peux faire à ta maman. Tu sais ça? Je sais. Lina, il a toujours Amen, il ment. Amen. Amen, il ment? Ouais. Et? Parce que je me dis, je veux pas prendre le jouet, je laisse. Alors, oui. Vas-y. Non. Tu parles parce que je vais retirer la tutute. Non. Allez, va là-bas. Arrête non, de parler des autres tout le temps. Parle un peu de toi, parce que toi, tu fais aussi beaucoup de bêtises. Tu te rassures en expliquant les affaires des autres, mais regarde un peu toi que ce que tu fais de mauvais. Et essaye de changer. T'as menti à maman et je suis très triste de ça. Et on va parler après. Allez. On va parler de ça. On va discuter de ça. On va comprendre. Non. Si, je veux comprendre dit, pourquoi tu m'as menti. On va c'est Gusti. Hein? Gusti. Tire ta tutude, je comprends c'est pas. C'est Gusti. C'est quoi ce Gusti? Je sais pas encore. Tu sais c'est, pas c'est... On va discuter. On va discuter. Ça veut dire qu'on va encore taper nous deux. Non. Tu tapes plus ta sœur, hein, je rigole pas. Hein. Maman, là, toi, tu vas t'endormir. Il est quelle heure, les amis? Parce que le loulou, il est entre. Il est une heure. Il est une heure. Oh, maman, c'est une tête d'éthérée. Hein. Regarde, maman, on peut l'enterrer, là. Ouh, les nénés, attention, les nénés. Alors, il est 2 heures. Hein? Il est 2 heures. Bien. Allez, va là-bas, va non. chercher ta petite sœur, tu lui fais un câlin et tu lui dis que maman, après, elle va discuter avec elle. Parce que je veux juste pas. Faut que vous compreniez c'est quoi le mensonge. Allez. Non, c'est quelque chose que je supporte pas et je vais m'énerver, Eden. Allez, descends. Bah, éteins la lumière du couloir alors. Et tu restes calme, hein? Ok. Oh my god. Vous êtes vraiment dans ma vraie vie, hein, je vous explique. Hein. Eden. Non, toi tu es speed. C'est ça le problème. Speed. Qu'est-ce qu'il y a? Tu vas me faire quoi là maintenant? Pourquoi tu bouges? Va là-bas. Tu vas là-bas. Allez, je vais te punir devant les gens. Je m'en fiche, Baya. Non, il faut pas me faire ça. On ne me ment pas. J'ai dit le mensonge, j'aime pas. J'aime pas le mensonge, mon cœur. Allez, viens ici à côté de maman. Viens ici, mon cœur. Viens ici, maman. Tu viens me faire câlin ou pas? Je pose la question une deuxième fois. Est-ce que tu veux venir à côté de maman ou pas? Baya. Allez, viens, bébé. Viens. Viens. Allez, maman, elle est très fatiguée. Elle est faible aujourd'hui. Allez, comme... Allez. Regarde, elle est où? Regardez, elle est où? Elle est où? Elle est où? Allez, non, Baya, je veux pas rigoler là maintenant, je suis malade. Mais quand vous êtes malade, est-ce que je fais comme ça? Allez, stop. Allez, on sort du lit. Allez, maman, elle est fatiguée, s'il vous plaît, je suis pas bien. Non, allez, s'il te plaît, donne un fac. Un fac. Non, c'est pas un fac. Au revoir, Greg. Un fac. Alors, non. Dis, un fac. Un fac. Avec. Non, pas un fac. Willy, t'es marocaine ou pas? Dis, un fac. Un bonhomme. Tu vas tomber par terre. Viens ici. Dis, un fac. Un voisin riche. Non, un fac. Alors, tu sais. Non, il commence à dire n'importe quoi. Bon, allez, vous pouvez aller terminer le truc? Ok. Les dessins animés? Oh, je sens que j'ai chaud à ma tête, ça recommence. Je vous jure, j'ai mal à ma tête. Je vous jure, vous voyez, j'ai rigolé un peu. Non, le maman, s'il te plaît. Non, je rigolais pas, c'est vrai, je suis pas bien. Maman. T'as vu? Oui, vraiment.
Il faut même pas que vous dormez à côté de moi. Il faut même pas rester à côté de moi parce que je sais pas ce que j'ai. Pourtant, allez. Mon bébé. Mon bébé, allez. Allez, viens ici devant moi, alors. Viens. Okay. Fais-moi un câlin. Je veux que tu me fasses un câlin. Viens. Viens, mon cœur. Ouh là là. T'as pas mal comme ça. Non, ça va, j'ai pas mal. Regardez. Regardez, moi, c'est amour. Non. T'as peur de... Qu'est-ce qu'il y a? T'es excitée, hein, Eden? Ah, oh, mon Dieu. Bon. Ah. Ah, attends, attends. Je vais voir s'ils ont posé des questions. Tu ne dois pas faire trop d'efforts. Mais Eden, on ne doit pas taper sa grande sœur aussi. Ouais, c'est vrai. Eden, il ne doit pas taper sa grande sœur. Ah ouais, le Disney. Alors, je vous explique. Attendez, hein. Oh my God, Eden, ça va pas. Bébé, tu dormir. Ouais, je sais que je dois dormir, mais est-ce que tu peux me laisser, hein? Bah allez, viens. Bébé, viens quand me faire Agina. Viens faire Agina. Tu rigoles. Pourquoi tu rigoles tout ça? Je t'ai même pas touché. Qu'est-ce qui se passe? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Rindak. Rindak. Un bébé, gros bébé. Gros bébé. Allez, viens, Yuri. Ouais, c'était top la soirée, vraiment. On s'est bien amusé. Je suis pas bien, maintenant, je suis pas bien. Donc, je vous explique, je vous termine l'histoire là, parce qu'il va falloir que j'aille. Hein. Là, ça fait 2 heures de live. Mon amour, toi, je sens que tu vas t'endormir en chantant. En chantant. C'est quoi que maman, elle te chante le soir? Cacahuète. Non, alors je vais éteindre le téléphone. On parle sérieusement. Le mot caca, je veux plus qu'on le sorte de la bouche. Ok? Nicolas, oui. Eden, tire ta tutute et parle convenablement et proprement. Eden, parle convenablement. J'aime pas quand tu fais comme un voyou. Arrête, parle bien. Saint-Nicolas. Et elle chante que Saint-Nicolas? Petite Papa Noël. Et quoi encore? Every night. C'est quoi? Every night. Alors essayez de deviner, c'est quoi la troisième chanson? C'est un petit challenge que je vous lance. On va voir s'ils vont trouver. Hein? Donc, ouais. Par rapport à Disney. Donc, je vous explique. Ils me disent, ils m'ont envoyé un mail. Donc, il a genre le voyage. Il me dit qu'ils lui ont envoyé un mail pour participer aux 30 ans. Et nous, on part donc pour mon anniversaire, le jour d'anniversaire de mon anniversaire et son anniversaire à Bahia. Elle est encore en train de manger le chili, hein, j'entends. Elle est en train de manger le chili. Attends, lève ta tête, lève ta tête. Même pas. Vas-y, mets ta tête. Même pas, même pas. Allez, arrête tes bêtises. Même pas, même pas. Eden, tu... Hé, c'est mon live, hein. Non, c'est mon live. C'est pas ton live, c'est mon live. C'est mon live. Non, c'est mon live. Eden, ne touche pas. C'est mon live. Allez. Et il me dit, ouais, viens, on va... Viens, on y va pour ton anniversaire, bazar. Ça veut dire que si j'y vais, parce que c'est pas encore sûr, là maintenant, je pense que je vais y aller, mais je vais pas être bien. Si je fête mon anniversaire donc avec mes potes, ça sera ou le soir du vendredi ou le soir du samedi. Puis le dimanche, donc je partirai à Paris. Je reviens lundi soir, enfin lundi après-midi, pour repartir mardi matin avec les petits pour revenir mardi soir. Ça, ce serait le programme. Maintenant, je me dis, est-ce que ça ne va pas me casser la magie quand je vais y retourner avec mes enfants? Parce qu'en fait, l'objectif avec eux, c'était de partir entre potes, donc on serait 4. Lui, il a l'avantage, donc agent de voyage.
Et du coup, on dort une nuit là-bas. Et ce qui se passe, c'est qu'on a donc... bah voilà, j'y arrive le jour, le premier jour de l'anniversaire des 30 ans. Et je pourrais faire toutes les attractions adultes que ben, je ne pourrais pas faire quand je serai avec les petits. Donc en fait, Disney, je ne l'ai jamais fait... Enfin si, qu'est-ce que je raconte ? Je l'avais fait quand j'étais partie avec ben voilà, mon ex-mari. Et du coup, je ne suis jamais retournée depuis que ben, j'ai eu les petits, quoi. En mode faire les attractions d'adultes. Je sais pas, je me tâte. Donc, qu'est-ce que vous me conseillez ? Est-ce que j'attends et je pars avec mes enfants et je fais pas les attractions et je pars pas avec mon meilleur ami et tout ça ? C'est super comme opportunité de tu devrais le faire. Mais moi, j'ai juste peur, en fait, vu qu'on y va bah, pour les 30 ans de Disney, que je découvre tout avant. Et du coup, on va pas vivre le truc en même temps, moi et eux. Hamak. Hamak. Bébé. Dis hamak. Mon gros bébé. Goul hamak. Mon gros bébé. Eh oui, goul hamak. Mon gros bébé. Je t'aime. Mon gros bébé. Moi ? Ouais. C'est vrai. T'es un gros bébé. J'ai un gros bébé. Mais c'est maman. Non, j'ai maman. Attends. Maman, c'est un bobo, là. Ouais, il est là dans ta tête, le bobo. Donc, je sais pas, c'est pas grave. Il faut aussi t'amuser, toi aussi. C'est super comme opportunité, tu devrais le faire. Ouais, j'hésite. Viens ici, viens que je regarde. Viens. Où ça ? Ah ouais, 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 ouais. Demain, je vais te mettre un peu de désinfectant. Montre, montre. Mais c'est rien, c'est... Tu t'es tiré l'oreille avec quelqu'un ? Qu'est-ce que t'as fait ? Allez. Je comprends pas, tu as fait Disney récemment. Mais non, j'ai pas fait Disney récemment. Même pas vrai. Mais non, c'est même pas vrai. Même pas vrai. Et le pire, c'est que quoi ? C'est que si je reviens donc le lundi soir, mardi matin, c'est tôt, hein, de lever. Ok. Ah, Eden, ma mamie, toujours faire mal, dit. Au pire, tu peux prendre quelqu'un pour rester avec les petits le soir, comme ça tu profites la journée. Le soir, quel soir ? Le midi de caca. Le mois. Mais non, ma vidéo CM, c'est une vidéo que j'ai filmée avec... Bébé. Hey, tu te calmes, calme. Non, c'est le soir, ça doit être un silence, ok ? T'es trop excitée, Eden, le soir, quand t'es comme ça, j'aime pas. C'est vrai qu'il a un démon qui lui rentre dedans. Mais regardez mon fils, est-ce que c'est normal ? Vas-y, montre ! Montre ta tête de fou ! Avec deux tututes. Eden, monsieur, mener tuer tututes. Allez, montez deux tututes. Allez, t'es un hamak. Attends, attends. Allez, Eden, pas tes pieds. Caca. Non, ça recommence, caca. Je vous jure, et des fois, il reste comme ça pendant 30 minutes. Je me dis, bon, il doit se défouler. C'est sa manière d'extérioriser. Mais j'ai pas compris la question. Au pire, tu peux prendre... Eden, maman, elle est fatiguée. Oh. Faut pas attendre à chaque fois que je crie pour te calmer. Au pire, tu peux prendre... Allez, on va pour rester avec les petits le soir, comme ça tu profites la journée. Ah, tu fais aller-retour ou bien... Ben oui, puisque moi, je dois retourner chercher les enfants. Vous voyez ? Donc moi, je reste là-bas jusqu'au 6, enfin jusqu'au 7 au soir, et puis le 7 au soir, enfin non, donc je fais le 6, le 7, je reviens le 7 au soir. Eden. Et le 8, le 8, le 9. Bon, allez. Eden, quand je te dis stop, c'est stop. Ok ?
Non, tu m'écoutes pas. Je t'ai dit, maman, mal de tête. Mal de tête. Oh, mal de tête, poupée. Oui. Non, allez, tu vas être punie, je le sens. Mal tu me fais penser à mon fils, toujours plein d'énergie. Le compromis, c'est de profiter avec tes enfants et tes amis. Les surveille quand tu t'amuses. C'est ton anniversaire, moi je l'aurais fait. Non, vous n'avez pas compris, Siem. Siem, t'as pas compris. Eden. Bon, allez, va avec Baya parce que tu vas aller dodo maintenant. Tu vas avec Baya tout de suite parce que sinon tu vas aller au lit maintenant. Allez, tu m'écoutes. Tu te lèves. Je ne parle qu'une fois. Tu te lèves et tu vas... Alors, tu te tais. Ok ? Tu veux rester avec maman ? Humundsleute. Je ne rigole pas. Tu vas aller au lit, tu vas être puni devant tout le monde, hein. Alors, tu te calmes. Allez. Quand je parle, je ne sais pas me concentrer. Déjà, je dois lire les questions, je dois répondre. Et puis, tu profiteras avec tes enfants. Ma vidéo Disney profite pour ton anniversaire. Moi, je l'aurais fait. Ouais, je sais pas. Et puis même niveau fatigue, je me dis, t'imagines, je vais être cassée. Après, ça serait un super vlog aussi. Hein. Là, je partirai avec mes potes et je vous filmerai le truc. Et vous aurez le vlog directement après. Je pense que je le publierai direct, en fait. Donc, vous verrez comment ça se passe pour les 30 ans de Disney. Vraiment en temps et en heure. Enfin, en temps et en heure. Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Qu'est-ce qu'il y a? Regarde, il y a un bobo. Il y a un bobo? C'est toi le bobo, je t'ai dit. Non. Tu m'as agué, non, maman. Allez. Je sens qu'Eden, il va nous quitter. Ouais. Voilà. Voilà. Et je prends un cuic-cuic. C'est quoi, je fais pète? Mais c'est quoi ça? Zizi? Oui. Tu vas à Disney deux fois? Non, mais je pense que je vais y aller qu'une fois. Hein. Je pense que je vais y aller qu'une fois, franchement. Enfin, je vais voir avec mon best friend, je vais l'appeler après, là, maintenant. Je me dis, limite, je vais avec lui, et enfin, je vais avec eux, et puis je reviens, genre, début d'après-midi. Je me repose bien. Parce que ça va, c'est 1h30 de trajet si je prends le train. Donc prendre le Thalys pour revenir, quoi. Et pas les attendre à eux, parce que lui, il veut continuer à profiter jusque tard le soir pour le deuxième jour. Donc, Et la vidéo, par rapport au piercing, je suis en train de tester des bijoux et n'hésitez pas à me dire en commentaire ou par MP quelles sont les anciennes chez qui vous commandez vos piercings. Parce que j'en ai acheté aux États-Unis. Il y en a un. Bon, après, est-ce que c'est parce qu'il est trop serré? Mais je vais le changer. Donc, je suis en train de tester vraiment pour vous donner vraiment tous mes avis. Non, non, bébé, on doit le désinfecter pour Baya. Allez, on va dire au revoir à mes amis. Oh non, on va encore parler. Mais maintenant. Toi, tu dis rien, tu fais que des bêtises. Hein, on va quitter parce que ça fait 2 heures. Je vais attraper ton petit pépette. Je vais aller les faire dormir. Hein, on dit au revoir à tout le monde. On dit bonne nuit. Oui. T'as fini de manger? T'as aimé? C'est vrai? Ah ben voilà. Voilà. On va pas manger. La surprise. Il n'y a plus de surprise maintenant. C'était quoi? On va regarder la caméra cachée. Hein? Tu sais que maman, elle adore les caméras. Hein? Oh, moi, j'adore. Je rigole, pupinette, viens. Fais attention à monter. Moi, je veux pas que tu regardes la caméra. Non? Oh, ok, non. Je vais pas la regarder alors. Mais je l'efface. Mais si tu recommences, je me fâche. Je peux me fâcher. Si tu recommences. Je peux me fâcher? Non. Tu ne me mens plus. Jamais. Ok? Mais je mens pas. On va regarder la caméra? Non. Mais alors quoi? C'est quoi que t'as fait? Elle m'a rien fait. Viens, viens, tourne-toi chez moi. Tourne-toi, viens. Viens, mais bon. Il t'a cherché?
Il t'a fait aller chercher. Il t'a cherché la petite bête. Hein? Il a cherché la petite bête. Non, Eden, je sais que toi, tu cherches la petite bête. Non, c'est pas là. Ouais, c'est ça. Allez, on dit bonne nuit à tout le monde. Bonne nuit, mon gros bébé. Bonne nuit, mon gros bébé. Bonne nuit, les amis. Bonne nuit, mon gros bébé. En tout cas, le chili con carne, Baya, elle a adoré. Eden, t'as aimé? Oui. Le chili con carne de maman. Mais t'as pas fini, hein? T'as pas fini? Non. Allez, on va terminer. Non. Si. Allez, je vous fais de gros bisous. En tout cas, merci de quitter le live en mettant le petit pouce vers le haut. Moi, je suis au bout de ma live. Pas le petit pouce vert, le petit pouce bleu. Vers le haut, j'ai dit vers le haut. Elle me fait rire vers le haut. Tu vois, tu fais mal à ta sœur. En tout cas, je vous fais de gros bisous. Désolée encore pour ne pas avoir fait le live à 21h comme d'habitude. Mais voilà, je suis quand même venue. Comme ça, vous avez quelque chose à regarder pour ce soir. Eden, tu m'as fait mal à mon nez. Tu fais attention à ce que tu fais. Eden, tu apprends à faire attention. Baya. Mais ma tata, elle a tout ça. Non, elle dit dans son nez, mais dans son nez, elle dit. Allez, toi, t'étais sensible là, aujourd'hui. Qu'est-ce qui se passe? Allez, je vais m'occuper d'eux. Je vous fais de gros bisous. Et je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. N'oubliez pas de liker la vidéo, de vous abonner et de cliquer sur la petite cloche pour être notifié à chaque fois que je publierai une vidéo. Voilà, je vous fais de gros bisous. Ciao, ciao.